Bonsoir messieurs, mesdames, mesdemoiselles, tout le monde. Bonsoir chers amis, heureux d'être là avec vous. J'espère que vous aussi, on va passer une belle émission, vous verrez. Je suis très très content d'être là avec vous. Eh bien, tout de suite à vos téléphones, 0901-901-993, le 1. Pour être avec moi, vous faites le 1 et ensuite vous serez... Bien sûr, vous passerez par la personne qui est au téléphone, qui accueille les appels et qui vous redirigera sur le plateau si vous avez des questions pour moi, quelles qu'elles soient, je sais pas, l'amour, les énergies, le travail, l'argent, les déménagements, les achats, ventes de maisons, d'appartements, peut-être avez-vous connu quelqu'un, voulez-vous savoir si... ça va matcher, si ça va aller ou pas. Voilà, des fois c'est oui, des fois c'est non. Hein. Et puis, si vous avez besoin aussi pour vos énergies de protection ou de secrets, surtout de secrets pour vos énergies, eh bien, j'ai ça là avec moi ce soir, comme tous les soirs, et que je fais aussi à l'arrière. Vous le savez, pour ceux qui m'appellent à l'arrière, souvent, on me demande de faire les énergies, le secret et les protections que je peux naturellement faire aussi à l'arrière. J'ai aussi... Je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais j'ai aussi le secret, je vais quand même le répéter pour les gens qui nous prendraient peut-être pour la première fois ce soir, j'ai aussi le secret coupe-feu, brûlure, et le secret aussi hémorragie, donc coupe-hémorragie, que je peux faire à distance, pas sur le plateau. Ce sont des secrets qui prennent pas mal de temps et de prières, donc je fais ça à l'arrière uniquement, ces deux secrets. Tous les autres... Ces deux et ceux que je fais aussi sur le plateau, je les fais aussi également à l'arrière naturellement. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez autour de vous quelqu'un de proche qui a eu malheureusement, on ne le souhaite pas, mais un accident de brûlure ou de choses comme ça, on sait que ça fait très 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 mal, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc n'hésitez pas, avec le secret coupe-feu, eh bien, on arrive à calmer, à enlever ou à calmer en tout cas ces douleurs qui sont atroces. Hein. Donc c'est le plus important. Puis après, bah, ça doit, comme toute blessure, se guérir. Mais le secret, je le sais par expérience personnelle d'avoir fait ça à plusieurs personnes, aide aussi à cicatriser beaucoup plus vite et de meilleure façon. Mais après, ça doit prendre le temps que ça doit prendre, c'est sûr, comme toute blessure. Voilà, on ne le souhaite pas, encore une fois, ce sont des... supposition, j'espère qu'on ne m'appelle pas, voilà, parce que d'un côté, j'aime mieux qu'on ne m'appelle pas, parce que ça veut dire qu'il ne se passe rien de ce côté-là, mais si ça arrive, eh bien, sachez que ça peut vous être utile pour vous ou l'un de vos proches. Alors, il faut que ce soit un de vos proches, si c'est l'ami d'un copain de votre petit-fils, petite-fille, c'est un peu trop long. Il faut que ce soit la même personne ou un proche de la personne qui appelle. Donc pour faire ce secret-là. Voilà. Sinon, eh bien, bien sûr, comme je viens de le dire, toutes les questions que vous voulez, bien sûr, pas de questions sur tout ce qui est maladie de façon précise, pas de questions sur la politique, pas de questions sur tout ce qui est religion non plus, on ne répond pas à ce genre de questions ici sur le plateau. On ne rentre pas en matière, tout simplement. Les énergies, c'est la santé, c'est les douleurs. Vous avez, je sais pas, vous devez faire quelque chose, une opération, je sais pas, ou un traitement, est-ce que ça va aller? On peut regarder ça. Mais vous dire si tel, nous demander si tel ou tel médicament convient, ou est-ce que vous. Ça, on ne peut pas répondre. On n'est pas ni médecin ni pharmacien pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors, on vous laisse vous adresser à vos spécialistes, à vos professionnels dans la matière, médecins, chirurgiens, spécialistes, pharmaciens, etc. Ou être en pharmacie, elles savent aussi très bien répondre. Hein. Il ne faut pas toujours donner les lauriers aux pharmaciens. Ils ont souvent une équipe formidable. J'en connais plusieurs de ces pharmacies où les assistants, assistantes sont très, très, très compétents. Donc, demandez à eux si tel ou tel médicament voilà, vous convient. C'est eux qui pourront vous répondre. Par contre, vous dites, voilà, j'ai mal à la jambe, je ne sais pas, j'ai mal aux pieds, ou j'en sais rien, j'ai mal à la nuque ou au dos. Moi, je peux vous faire le secret pour essayer d'alléger, je dis bien essayer d'alléger ces douleurs ou ces soucis peut-être récurrents ou passagers. Mais si c'est le cas, si c'est le cas, avec le secret, on peut faire ça. Voilà. En aucun cas, ça ne remplacera une visite chez votre praticien, chez votre médecin, votre spécialiste, qui ont des moyens vraiment aussi formidables et qui sauvent des vies hein, et qui font vraiment un travail formidable. Hein. Je pense que
malgré tout, j'aurais peut-être, je regrette un peu parce que je pense que j'avais, je dis comme ça, sans toute modestie, j'avais, je pense, les capacités de le faire puisque j'avais quand même un niveau, on va dire, universitaire. Je n'ai pas été à l'université, mais je n'ai pas voulu y rentrer, mais j'aurais pu y aller. J'aurais peut-être dû faire ça parce que c'est vrai que la médecine est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Voilà, mais ça sera pour une autre vie, ça ne sera pas pour celle-là. En tout cas, dans cette vie, voilà, c'est comme ça. J'ai eu d'autres métiers. Et celui aussi de pouvoir vous aider, si possible, avec ma médiumnité, mes ressentis, voilà, tout ça, qui me vient de famille, bien sûr. J'avais une grand-maman, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, une grand-maman qui était un peu là-dedans, et sa maman, donc mon arrière-grand-maman, qui faisait aussi des choses comme ça. Et ma maman, entre deux, était quelqu'un de très intuitive. Elle était... Excusez-moi. Elle était très intuitive, elle ressentait plein de choses, elle était plutôt, elle voyait quelqu'un, un visage, elle pouvait vous décrire la personne, son caractère, si c'était quelqu'un de bien, pas bien, donc elle ne se trompait, je n'ai jamais vu se tromper, mais on ne peut pas dire qu'elle ne se trompait pas, j'en sais rien. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu se tromper, elle arrivait à calquer les personnes, voilà. Ça, c'était génial. Par contre, dire ce qui va se passer ou des choses comme ça, elle disait toujours, moi, je n'arrive pas, toi, tu arrives en parlant de moi. Toi, tu arrives à ressentir des choses qui vont arriver. Elle avait des rêves, pas mal de rêves prémonitoires aussi. Je pense qu'elle tenait ça de sa maman, parce qu'elle voyait, malheureusement, c'est pas très chouette ce que je vais vous dire, mais elle voyait les gens qui allaient partir. Elle disait, oula, je vois un décès d'ici quelques semaines, et paf, ça arrivait. Hein. Donc voilà, dans la famille, ou aux alentours, ou dans les proches. Mais bon, ça c'est moins drôle. Heureusement que moi, j'ai pas hérité de ça parce que c'est pas quelque chose qui me plairait beaucoup. Enfin, c'est pas quelque chose qui me plaît du tout. Hein. J'aime mieux pas savoir, ni pour les autres, ni pour soi-même. Hein. Donc voilà, je pense que c'est des choses. Tant que c'est dans l'inconnu, ben, on vit bien. Quand on sait ces choses-là, c'est très, très. Enfin, je sais pas. Moi, ça me plaît pas, heureusement. Les choses sont bien faites. Par contre, effectivement, vous avez besoin d'un. Pas d'un conseil, parce que les conseils, tout le monde peut en donner, mais oui, par rapport à la médiumnité, on a des fois des conseils quand même à donner, même si j'aime pas trop donner des conseils, mais quelquefois par rapport à ce qu'on ressent. Exemple, des fois, je ressens deux, trois choses différentes, et moi, je dis, moi, si j'étais à votre place, je prendrais ce chemin-là. Maintenant, vous pouvez prendre celui-là ou celui-là, c'est clair, hein, c'est à vous de choisir. Et là aussi, il faut... avoir votre propre arbitre, votre libre arbitre pour ça, et avec raison. Alors, revenons-en à nos moutons de l'émission, sur ces bonnes paroles. Vous savez aussi que nous avons un concours TVM3. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est comme concours? Il suffit, alors il y a deux façons, vous pouvez vous inscrire par SMS, vous envoyez un SMS au 700-700. Vous mettez le mot, donc ça c'est le numéro d'appel, et dans message, vous mettez TVM3 et envoi. Ça prend quelques secondes et vous êtes inscrit immédiatement à notre panel concours. Et de là, nous allons de temps en temps tirer un numéro qui, si vous êtes tiré au sort, vous aurez une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer. Le seul coût que ça vous fera, c'est pour envoyer les SMS, c'est 1 franc par SMS. C'est voilà, 1 franc, c'est le prix de l'SMS que vous nous envoyez pour vous inscrire. Vous pouvez en envoyer un, vous pouvez en envoyer deux, trois, vous pouvez démultiplier vos chances. On dit souvent que 1 suffit, et c'est le cas. Beaucoup de gens, vous les entendez peut-être, disent des fois, vous les entendez, ceux qui suivent l'émission, voilà, j'ai été tiré au sort, ben voilà. Donc c'est comme ça que cela peut se passer, et c'est très très simple, très facile, il n'y a rien de plus facile à faire. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Vous pouvez déjà être tiré pour cette émission ou pour une émission suivante ou un de mes collègues. Voilà. Alors, les concours, si vous gagnez le concours, c'est uniquement pour passer ici à l'émission. Dernièrement, une personne du téléphone m'a dit qu'une personne avait appelé, avait dit « j'ai été tiré au sort, bon, tiré au sort, mais j'aimerais parler avec tel et tel à l'arrière. » Ce n'est pas possible. Les concours, on le répète, et je l'ai dit beaucoup de fois, mais je pense qu'il faut le répéter. Si vous gagnez le concours, vous pouvez passer avec moi, vous pouvez passer avec Cristal, vous pouvez passer avec Nino, tous les gens qui présentent l'émission. Vous pouvez choisir qui vous voulez. Hein. Si
Vous voulez pas, Bruno? Il n'y a pas de souci, j'ai aucun souci avec ça. Vous dites, je veux poser une question à Nino. Attendez, dites au téléphoniste, quand ça sera Nino, quand ça sera Cristal, vous m'appelez, je poserai les questions à Cristal ou à Nino ou à Bruno, si vous le voulez. Voilà, chacun peut choisir naturellement la personne qui lui convient le mieux. Il n'y a aucun souci avec ça, encore une fois. Mais vous ne pouvez pas demander quelqu'un à l'arrière. Vous pouvez l'appeler directement au 0900 900 993, puis après vous faites le code PIN de la personne à qui vous voulez parler. Mais vous ne pouvez pas parler à l'arrière avec le concours. Encore une fois et encore mille fois, ça sera comme ça. Donc voilà. Et vous voyez, on dit des fois... Il semblerait qu'on dise les choses bêtement, inutilement à chaque fois, mais vous voyez, il y a encore des gens qui demandent à parler quelqu'un qui n'est pas à la télé. Je ne vous dirai pas, je sais qui cette personne a demandé, mais je ne donnerai pas de prénom. Elle a demandé une personne à l'arrière, et puis le téléphoniste, avec raison, a dit « on ne peut pas vous passer cette personne ». Si vous avez gagné le concours, c'est pour être en direct, c'est la seule façon. Voilà, donc ça c'est une des façons. C'est, pour en revenir, c'est donc par SMS, mais vous pouvez aussi nous écrire, si vous le voulez, sur un simple bout de papier ou une carte postale. Vous marquez, bien sûr, vous envoyez ça à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, carte postale 285 1024 Écublan. J'ai plus de voix. Et vous mettez à gauche votre prénom, mettez un prénom. J'ai mes petites pastilles, j'irai les chercher tout à l'heure à la pause. Je les ai oubliées. Donc vous mettez à gauche votre prénom, si c'est une carte postale, ou à droite, ça dépend. Vous mettez votre prénom, et mettez votre vrai prénom et mettez un numéro de téléphone qu'on puisse vous atteindre. Voilà, donc parce que par SMS, on l'a directement, mais par carte postale, s'il n'est pas écrit ou par lettre, on ne peut pas le deviner. Donc mettez bien votre numéro de téléphone. Là aussi, ce n'est pas arrivé dernièrement, ça, il y a longtemps, longtemps, les gens nous écrivaient, oubliaient de mettre leur téléphone. Ils sont bien gentils de participer à un concours, mais s'ils ne mettent pas le téléphone, bon, on ne peut pas les appeler. Voilà, donc mettez bien un numéro de téléphone sur la carte postale, comme vous voyez sur votre écran. Et donc là, vous pouvez mettre votre date de naissance, vous pouvez nous faire un petit coucou, si vous voulez, coucou toute l'équipe. Il y a plein de gens qui nous laissent des petits messages sympas. C'est très, 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 très cool à vous de nous laisser aussi un petit message. Ça nous fait toujours plaisir à toute l'équipe. Voilà. Donc voilà, tout est dit. Enfin, presque tout, je pense. Il y a encore on va revenir sur le site. Mais pour participer à cette émission, donc, vous avez trois possibilités. Ou vous téléphonez en direct, 0900 900 993, puis ensuite vous faites le 1. Ou bien vous inscrivez par le concours et si vous êtes tiré au sort, bien vous pourrez passer avec la personne en direct. Ce soir, c'est moi. Demain, je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas grave. Voilà, chaque jour, c'est quelqu'un différent. Et sinon, vous pouvez aussi le faire par écrit, par carte postale ou par simple bout de papier dans une enveloppe affranchie. Bien sûr, n'oubliez pas. Là aussi, dans le temps, ça fait longtemps qu'on ne nous a pas dit que c'était arrivé, mais dans les premiers temps, les gens envoyaient des lettres, puis ils oubliaient de les affranchir. Donc, ils nous disaient après, « Mais vous n'avez pas reçu ma lettre ?»« Non. Vous avez mis un timbre ?»« Oula, je ne suis plus sûr. Ben, je crois bien que non. » »« Ah, ben voilà. » Donc, c'est clair que c'est comme toute lettre. Si vous ne mettez pas le timbre, si vous ne l'affranchissez pas, il ne risque pas d'arriver. Hein. Les PTT, les postes ne travaillent pas gratuitement. Hein. Donc, ça, c'est sûr. Hein, voilà. Et puis, souvent, quand c'est des cartes postales, il n'y a pas l'adresse de retour, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils les jettent parce qu'ils ne savent pas à qui la renvoyer. Hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Bon, ces petits détails étant dit, vous savez aussi qu'on a un site internet incroyable, formidable. Il est magnifique, qui a été fait pour vous, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop ou .shop. Vous avez sur ce site le shop. Là aussi, j'ai quelques objets à côté de moi. Si on a du temps, on en parlera du courant d'émission. Je vous parlerai un petit peu des deux, trois objets que j'ai ici à côté de moi. Sinon, sur ce site, vous avez les replays, les personnes donc... les replays, ce sont les émissions passées que vous pouvez voir ou revoir. Les personnes qui travaillent à l'arrière, donc tous les médiums, toute l'équipe au complet. Si vous allez sur le site, vous avez au début les gens qui sont connectés, ils sont en vert. S'il y en a qui sont occupés, ils sont en jaune. Et en dessous, il y a tous les gris, enfin tous ceux qui sont absents ou qui sont indisponibles, qui ne sont pas inscrits, que vous ne pouvez pas atteindre. Là aussi, une petite astuce que j'ai souvent donné déjà, mais que je répéterai pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent.
Si vous avez envie de parler à une personne qui n'est pas connectée, ça peut être moi, mais ça peut être aussi n'importe qui, vous dites j'aimerais parler à tel et tel, vous pouvez appeler aussi ici au bureau pendant les heures de bureau au 021 694 2400, 021 694 2400, pendant les heures de bureau, encore une fois, du lundi au vendredi. Vous dites voilà, j'aimerais un rendez-vous, un contact avec X, tel voyant ou telle voyante. Et là, on va vous alors essayer, comme je le dis chaque fois, de donner 2-3 possibilités, ou dans la journée, ou dans le jour même et le jour suivant, du style ce soir à 17h, demain à midi, ou sinon le soir à 19h. Voilà 2-3 possibilités. Le bureau ici va nous appeler en disant voilà, il y a quelqu'un qui cherche à te contacter. Il a besoin de toi pour X, Y. Des fois, on me l'a eu fait pour des secrets ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est une urgence et puis on a besoin de te parler. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on me donne les 3 possibilités et moi ou la personne va dire écoute, moi, ça me va mieux demain à 19h parce que la journée, je ne peux pas. Voilà, pour dire. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Et là, on va rappeler la personne et dire voilà, alors, tel et tel sera connecté demain à 19h. Voilà. Une chose. Faites-le vraiment si c'est des choses un peu urgentes, si c'est juste pour nous demander est-ce que je vais partir en vacances ou est-ce que je ferais mieux de choisir Paul ou Henri, ça peut attendre qu'on soit... Parce qu'on se connecte tous de temps en temps quand même, donc attendez qu'on soit connecté si ce n'est pas une question trop urgente. Maintenant, si c'est une question de maladie, on sait que les choses d'énergie ou comme ça, on peut être mal, ça n'hésitez pas, vous me téléphonez, vous me dites je suis mal, j'ai mal ici, est-ce que vous pouvez me faire le secret, je ne dirai jamais non, je le ferai toujours. Maintenant, c'est clair que si j'ai quelques jours de congé puis qu'on me téléphone en urgence pour que je réponde juste à quelqu'un pour savoir ce qu'il va faire à midi, demain, à dîner, je vais pas être très, je vous assure, je vous dirai peut-être rien, mais je serai pas très content parce que c'est vraiment dans des cas d'urgence ou des cas vraiment qu'on doit faire rapidement, ça je comprends. Hein, voilà. Sinon, ah ben voilà déjà notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Y a-t-il quelqu'un au bout du tuyau? Allô, allô. Non. Alors je vois qui c'est, mais je n'entends personne, donc il y a un petit souci. On va certainement... petit souci de ligne, on va certainement reprendre la personne en ligne ou elle va rappeler s'il y a eu une coupure. Donc n'hésitez pas à demander à quelqu'un si c'est une urgence, alors même une petite urgence, mais si c'est juste un truc, demain je sors au restaurant, vous pensez que c'est bien d'y aller, de pas y aller, décidez vous-même tout seul, hein, il n'y a pas de souci. Allô ? Allô, allô ? Bon, alors je continue mon explication par rapport au site. Donc vous avez les consultants, vous avez le shop et vous avez aussi les cartes prépayées. Les cartes prépayées qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Comment ça fonctionne-t-il? Vous pouvez les acheter de deux façons. Par le site internet, vous choisissez le minutage et vous payez avec une carte de crédit. Tout est sécurisé, aucune crainte à avoir. Et quand le paiement est accepté, comme quand vous payez dans un magasin ou en vacances, pardon, eh bien, ça dit paiement accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone. Mais tout cela vous sera donné au moment où vous prenez la carte prépayée. Donc, comme je le disais, vous ne pouvez utiliser qu'une carte de crédit, pas une carte de débit. Et vous mettez ce numéro et puis comme ça, après, ça, tout de suite, vous recevrez ce crédit de minute que vous pourrez utiliser petit à petit. Si vous avez pris, je ne sais pas, 90 minutes, vous pouvez prendre 10 minutes, une autre fois 15, une fois 3, une fois 8, selon les questions que vous avez à poser. Là aussi, je le précise parce que j'ai aussi une personne, mais ça, il y a fort, fort longtemps, il y a très, très longtemps, qui m'a dit « Oh, mais mon Dieu, si je prends 120 minutes, moi, j'ai rien... J'ai juste quelques questions. Qu'est-ce que je vais faire avec 120 minutes ? J'ai dit, mais madame, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser d'un coup. Hein. Vous pouvez utiliser 5 minutes. Au revoir, merci. Une autre fois, 10 minutes, ça fera 15. De 120 moins 15, il restera ça. Donc, on peut utiliser petit à petit, naturellement, pas tout d'un coup. Voilà. Alors, je vais voir si quelqu'un est là. Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir Bruno. Ah, mais voilà, on vous entendait pas. Vous aviez mis la sourdine ou bien je ne sais pas, moi. Hein. On voulait jouer caméra cachée, j'en sais rien. Hein. Non, je rigole. Mais je vous taquine, je sais que c'était pas forcément votre faute. Bruno. J'ai même fait marcher. On peut taquiner, on se connaît. Oui, puis en même temps, j'ai même fait marcher à la régie qui a dit que c'était de notre faute. Non, mais je vous taquine. C'était pas de votre faute. Bien sûr. Avec plaisir. En plus, je me permets de vous taquiner parce que je vous connais, hein, mon cher. Mais Bruno, franchement. Alors, dites-moi tout. Comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire? Dans 9 jours, je vais partir. Et puis j'ai eu la chance ce soir, on vous a gagné au concours. Ouh. Je dis, ça tombe bien, je dis au revoir. Voilà. Vous partez quand? Le 8 septembre. Vous allez seul? J'ai. Alors, je vous dis, normalement, oui. Mais comme aujourd'hui, j'étais à la Croix-Rouge, et puis j'étais chercher des habits pour des enfants. Oui. Ah, mais je donne. Oui. Et puis ils m'ont donné 3 sacs de peluche. Alors j'ai un gros ours, un gros singe, un gros gorille, quoi. Donc ils roulent avec moi. Ça m'embête un peu parce que j'hésite un peu de laisser dans le camping-car. C'est un peu dangereux s'il y a quelque chose, vous voyez. Ouais. Ils dorment dans ma chambre, mais je vais les cacher, vous voyez. Ils ont payé le billet. Non, mais j'allais vous dire, vous partez pas seul, je viendrai avec, c'est ça. Mais Bruno, mais venez avec, il n'y a pas de souci. Si vous avez le gros gorille, c'est bon, vous êtes accompagné, vous n'avez pas besoin d'un autre. Bon. On est poli, hein, s'il vous plaît. Hein. Bon, vous voudriez savoir quoi, si ça va bien se passer, tout ça, c'est ça en fait que vous voudriez. Dites-moi. C'est juste comme ça, j'ai eu la chance de gagner le concours ce soir. Mmh. Ça vaut la peine toujours de faire, je trouve. Ça vaut pour les gentils parce que c'est génial. Et puis, comme vous disiez aussi, là, par rapport aux minutes, moi aussi j'ai acheté des minutes. Puis des fois, j'ai juste besoin d'une question, pouf, j'ai pas besoin d'utiliser tout. C'est sûr. Voilà. C'est super. Mais bon. C'est super. C'est très bien, absolument. Alors, dites-moi, que puis-je faire J'ai mon fils qui l'a train. De monter quelque chose avec un copain. Oui. Maintenant, il a encore trouvé un truc dans les assurances et tout ça. Il est tout emballé. Et puis, j'espère. Alors, bon, il y a un petit peu de retard avec les factures. Alors, je lui ai donné un petit coup de main. Parce que je veux qu'il avance, je veux qu'il réussisse. Alors, voilà. Pas qu'il y a encore ce souci-là. Alors, j'aimerais savoir, Bruno, si l'un ou l'autre, ou les deux, ça va lui réussir dans sa vie. Est-ce qu'il ne sera pas déçu ou je ne sais pas. Donc, quand vous dites l'un ou l'autre, c'est par rapport à ce travail et par rapport à ce qu'il veut monter, c'est ça que vous voulez dire, en fait? Alors, ce qu'il veut monter, ça, c'est en route. Oui. C'est un garage avec des voitures de voilà. D'accord. Et puis l'autre, il va commencer dans les assurances. Il a été pris, hein, il n'a pas fait des études et tout, mais voilà. D'accord. Et puis, j'aimerais savoir l'un ou l'autre si ça va les réussir. D'accord, ok. Mais oui. Voilà. S'il vous plaît, Bruno. Ce que moi je ressens, je dis comme ça, cette histoire d'assurance peut être un joli complément, en fait. C'est ça, en fait. Oui, après, si son truc marche bien, il n'a plus besoin de faire le truc d'assurance. Ça, c'est juste pour pouvoir avancer, faire payer. Ouais. Parce que là, je l'aide un peu maintenant, pour le moment. Ouais. Ah là là, hein. Des fois les parents, hein, c'est comme ça. Hein. Alors, donnez-moi. Mais c'est bon, c'est un bon gosse. Oui, je l'ai eu au téléphone, il est très gentil, votre fils, effectivement. Oui, très poli, très. Voilà. Qui est le plus gentil des deux, le père ou le fils, ou les deux? Les deux. Le père, il est simplement plus mûr, c'est tout. Le père, il est un peu plus mûr, vous dites? Le père, il est un peu plus mûr, mais les deux sont gentils. Donnez-moi un chien. En tout cas, Bruno, moi, quand je vais dans la salle de bain, et puis je vois, je suis du miroir, il me dit toujours, t'es un bon type, toi. Ça fait jamais mal de se faire des compliments. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, Bruno. 5, hein? Ah, ben, pourquoi je vous demande ça, Oui, je ne sais plus. Avec votre date de naissance, c'est le 5. Ah ben oui. Puis comme je vous ai toujours dit, ça ne m'étonne pas que vous voyagez en camping-car, pas car, que vous partez. C'est le chiffre de la liberté, le 5, hein, donc on le sait. Hein. Ah! Vous saviez? Écoutez, peut-être on me l'a dit, mais comme je viens à un âge avancé, je crois que j'oublie des fois. Ouais.
Mais non, ça va. Mais vous n'avez pas un si grand âge que ça. Mais non, c'est vrai que le 5, c'est le chiffre de la liberté. Alors, en numérologie, hein, voilà. Voilà. Et c'est oui. Alors, voilà. Écoutez, par rapport à votre fils, elle, oui. on voit oui, vraiment... Oui. Non, écoutez, moi, je suis très content de ce que je vois aussi. Bonne nouvelle. Ah. Alors, je ne sais pas dans quel... Alors, ça ne nous regarde pas, vous n'avez pas besoin de me le dire, mais je ne sais pas dans quel département d'assurance il sera, si ça sera voiture ou autre chose. Disons qu'on voit... Alors, c'est un petit peu ce que je ressentais. On voit un complément qui peut aller quand même en grandissant et qui sera quand même un bon complément. Ça ne sera pas juste... ouais, du style, ça ne sera pas que 50 francs par mois, parce que à ce moment-là, ça ne vaut presque pas la peine. Ça sera que... Alors, il faut... Il y a la carte du départ, ça veut aussi dire... C'est un petit peu ce que vous avez dit. Il a peut-être, est-ce qu'il va devoir faire une formation? Certainement, parce qu'il s'il y connaît, oui, certainement, oui. S'il y connaît pas grand-chose, on ne peut pas s'improviser comme ça dans une assurance. Je le sais, parce que moi, j'y ai travaillé dans une assurance et j'avais fait 3 mois de cours intensifs il y a très, très longtemps. Oui. Ce n'est pas toujours évident parce qu'à ce moment-là, maintenant, c'est tout sur ordinateur. Mais à l'époque, on avait un petit calepin avec tous les tarifs, les machins, les conditions. Il fallait presque tout savoir par cœur. Puis on avait des examens à la fin. Mais bon, c'est pour dire que maintenant, c'est quand même plus simplifié. Vous faites tout par ordinateur. Oui. Mais ils doivent quand même avoir des connaissances de ce qui est... ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, on voit quand même une formation. Et après, il y a une petite période de lancement ou de, je ne sais pas comment dire, de mise en place. Et puis après, il y a la carte de la réussite pour moi. Pour moi, c'est bien. Ça devrait bien aller. Moi, j'ai surtout regardé l'assurance. Je vais quand même... je ne peux pas regarder les deux en même temps. Je vais encore regarder l'histoire de son garage. Vous dites que ça, c'est déjà, c'est déjà lancé, ça, en fait. Hein. Oui, c'est déjà lancé, oui. Alors, il a dit, s'il avait plus d'argent, un peu plus d'argent, il serait mieux avancé. Mais là, malheureusement, je ne peux pas trop avancer non plus de 8 sous parce que si ma voiture est là, il faut que j'en achète une autre. Bah oui. Et puis là, leur garage, vous dites qu'il est associé avec quelqu'un d'autre? Oui, quelqu'un qui a déjà, le papa, il a déjà un garage, dans une voiture. D'accord. Et eux, ils veulent faire un truc à eux. Le fils, il veut faire un truc à eux, puis Lorenzo, il est associé. Voilà. Ah, je comprends. Donc c'est déjà dans un garage existant, mais ils font quelque chose à part, en fait, c'est ça. À côté de ce garage, à côté. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est indiscret? C'est quoi? Ils font des voitures de luxe? Non, ils font indiscret, alors ils vont louer des voitures de luxe. Ah, voilà. Ils vont monter peut-être des kits spéciaux ou des choses pour des bagnoles. Enfin, c'est un peu de haut standing, un petit peu. D'accord, voilà. Je vois. Un chiffre entre 1 et 6. 5. Je le demande pas comme ça, parce que vous pouvez changer. Oui, par habitude, je demande. C'est que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. 4, 5... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore tiré 2 cartes là en bas. 5. Alors, ça dit oui, ça devrait avoir bien du succès. Par contre, effectivement, c'est un petit peu ce qu'on a dit déjà et c'est un peu répété. C'est pas à la portée de tout le monde, ces choses-là. Donc, c'est, en fait, ils auront une certaine clientèle. Je sais pas si. C'est peut-être un peu élitiste quelque part, c'est-à-dire que c'est peut-être quand même des gens qui ont des moyens, qui peuvent faire ces transformations sur les voitures, ou louer ces voitures de luxe, ou pour un mariage, ou des choses comme ça. Mais on voit pas le... C'est pas un truc qui serait à la portée de tout le monde, et je le comprends. Et donc, ça veut dire que ça marchera, mais il ne faut pas non plus qu'ils s'attendent à une marée de monde qui attend devant la porte, en plus. Hein, donc, Mais ce que je vois quand même, c'est qu'il y aura peut-être moins de monde, mais comme c'est quelque chose qui sera... Qui coûte, ben, quand ils feront une, deux, trois affaires, ça, ils seront contents. Quoi. Ils auront besoin de moins d'affaires qu'un... je sais pas comment dire, quelque chose qui coûterait meilleur marché, ils devraient en faire beaucoup. Là, ils pourront en faire un petit peu moins, quelques-unes, mais ça, ils seront contents, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, Bruno. Mais bon, ça va marcher, c'est ce qui compte. Écoutez, moi, c'est ce qui compte le plus, c'est qu'il a la réussite. Absolument. Voilà. Et je pense qu'effectivement, l'un avec l'autre, eh bien, au départ, en tout cas, ça va faire un bon complément. Je suis pas sûr, c'est marrant, parce que
Je ne suis pas sûr. Mon ressenti, parce qu'à un moment, dans l'assurance où il va aller, il aura peut-être un portefeuille, comme moi j'ai eu, ou une clientèle, puis il sera quand même assez content. Je ne suis pas sûr qu'il ait, même si ça marche du côté garage, je ne suis pas sûr qu'il le laisse. Peut-être qu'il va se dire, mais c'est quand même bien de garder les deux, finalement. L'un dans l'autre, pourquoi pas? Les clients qui viennent, on a une assurance, ouais, ils peuvent faire ses assurances de risque et tout ça en même temps. Absolument, voilà. Absolument. L'un va pas. Ben voilà. L'un peut aller avec l'autre, effectivement. Effectivement. Exactement. Ben alors, écoutez, Bruno, soyons confiants. Voilà, c'est le bien que je souhaite à mon gosse. Et puis, ben oui, je vais lui transmettre ça parce que c'est important, ça lui fait du bien, je l'ai vu aujourd'hui. Et puis, vous avez dit, par rapport, Sarah aussi elle me l'a dit, et puis ça a marché, par rapport, il faut le dire quand même, hein, parce que des fois, les gens, voilà, par rapport au camping-car, je lui ai demandé si j'allais le vendre, le deuxième, là, ben, oui. Le ancien. Oui. Je l'ai vendu il y a 7-8 jours, en arrière. Vous l'avez vendu ? Je l'ai vendu, et puis Sarah m'a aussi dit, oui, tu vas le vendre, avant que tu pars. Et puis, vous m'avez dit que vous allez le vendre un peu dans ces zones-là, vous voyez. Mais elle a dit, avant que tu pars en vacances, tu vas le vendre. Purée, là. Donc, vous avez raison, les deux. Enfin, ouais, mais dis donc, on vous a dit ça, mais Sarah et moi, on n'a pas vu la bouteille de champagne. Hé, hein. Bruno, vous savez comme je suis, quand on se verra... Non, je rigole. Hein, mais oui, quand on se verra, vous savez comme je suis. Hein, oui, oui. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, je vous le connais. Mais bien sûr, Bruno, avec plaisir. Bon. Et puis, j'attends justement ce moment pour vous voir un peu tous. Ben oui, ben ça fera plaisir. C'est très agréable quand on est en équipe, là, c'est vraiment super. Moi, ça nous fera plaisir. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est un bon voyage là où vous allez, là, donc tout va bien se passer. Vous avez pas alors là, justement pour le voyage. Vous avez une question Oui, j'aurais deux, trois petites questions, si vous permettez, Bruno. Allons-y. Oui, je permets. Oui. Alors, moi, j'ai vendu ce camping-car, hein, tout bien, vraiment, j'ai préparé tout, puis c'est des jeunes, et puis je l'ai bien baissé parce que je voyais que c'était un jeune qui rêvait de ça, et puis il ne pouvait pas tellement bien se payer au prix. Comme ça, je le vendais 14 500 francs, vous voyez. Ouais. Mais j'ai tout fait, courroie de distribution, embrayage, j'ai tout fait, hein, dessus. Hein. D'accord. Vraiment, il est en ordre. Je lui ai dit, il y a juste un peu la manque de puissance quant à là, mais ça, il faut regarder. Il faut trouver, mais voilà. Et je l'ai baissé pour qu'il puisse l'avoir, pour qu'il soit content. Je l'ai laissé à 10 000 francs. Parce que j'ai vos deux... Oui, non, ça m'était cas, je m'en fous. Deux jeunes, il m'a envoyé un message. Bon, il va aller chercher demain. Il m'a envoyé un message. Merci beaucoup, m'aider à réaliser mon rêve. Et ça, c'était un beau cadeau. Je m'en fous, les billets, c'est quoi? C'est bien, bravo, c'est génial. Bien sûr qu'il faut les avoir. Bien sûr, mais bon, écoutez, hein, mieux vaut ça. Alors, est-ce que ça va bien? Excusez-moi, Bruno. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il n'y aura pas d'ennui avec ce camping-car? Parce que pour lui, donc, en fait, d'accord. Ok. Mais vous êtes trop sympa, vous avez vu, hein, vous êtes le cœur sur la main. On vous connaît. Mais c'est ça la vie, non, d'une pipe, comme on dit, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, hein, c'est sûr. Hein, donc, oh, il a peut-être suivi, mais tout à coup, il a changé de direction. Alors, est-ce que vous arrivez à me donner le prénom de cette personne, juste le prénom? Oui, Daniel. Alors, un chiffre entre... Et puis, il s'appelle avec sa copine, Johanna. D'accord, voilà, un chiffre entre 1 et 6. 5. Oui, toujours mon 5, voilà. D'accord. Moi, je vous dis, je fais même des prières pour que tout lui va bien, qu'il n'ait pas de frais dessus, même si j'ai descendu... Bon, après, tout, c'est comme toute voiture, il peut y avoir une panne, mais enfin, ça, c'est pas forcément tout à fait, mais ça, on est conscient. J'ai déjà dit, j'ai fait un contrat, voilà, j'ai pas de reprise, j'ai fait ça, il a toutes les preuves, j'ai tout fait... Après, il m'a dit, non, je comprends, il n'y a pas de problème, ok, voilà. Oui, après, s'il y a autre chose qui vient lâcher, ça peut arriver à tout le monde, ma foi. Mon âme est consciente, quand on n'achète pas du neuf, mais même du neuf, avec du neuf, ça peut arriver aussi, hein, donc effectivement. Bah, c'est pire, c'est pas que du neuf, parce qu'il y a des vices de jeunesse. Oui, exactement. Alors. Non, ça va aller, il y a la carte de la réussite. Super. Il faut Alors, il a quoi comme idée? Il veut voyager? Il veut faire quoi? Oui. Il fait des petits tours. Après, il va aller au Portugal, hein, pour le touriste.
Portugais. Le Portugal. Et puis, il veut, si tout va bien, au début de l'année prochaine, il veut venir avec sa copine, avec moi au Maroc. Ah, bah, ça, c'est, voyez, ça, c'est une bonne idée, ça, effectivement. Ah oui, mais moi, je suis heureux. Quand je peux, je ne suis pas les premiers, hein, que je remonte le Maroc et puis ils sont contents. Voilà. Écoutez, Bruno, pour ne pas perdre trop de temps comme ça, j'ai fini mes questions. Excusez-moi, je ne Allez-y, sais pas que je veux. allez-y, allez-y. Non, sinon après, voilà, la publicité. Non, non, elle n'est pas encore là, on m'a pas averti. Allez-y, allez-y. Allez-y, je vous écoute. Oui, juste au passage, est-ce que mes deux enfants que je ne vois plus, est-ce que ça s'approche peut-être qu'ils vont me contacter ou je ne sais pas? C'est quand même triste ce qu'ils ont fait, mais enfin bon, est-ce que juste Donc vous avez ou trois pas enfants, du tout? en tout. Oui, les deux autres, c'est le premier mariage. Puis ils D'accord. m'ont lâché complètement parce que, enfin bref, on va pas raconter Non, non, l'histoire, mais non, 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 voilà. non. Voilà, vous avez. Vous pouvez me donner leur prénom quand même, ou la première lettre, au moins, du Oui, moins. alors le premier c'est F. Est-ce comme si, comme Simon? F comme, Ah, comme François. fleur. Ah, Fleur. d'accord. Ça, c'est le garçon? Et puis, oui, c'est le premier. Vous avez la date de Et puis naissance? l'autre, oui, le 23 août 1900. Oh, aïe, mon Dieu. Je ne sais plus parce que j'ai 74, pas purée. Non. Oui, je crois. Non, attendez, je ne sais plus. Non, 84. 84. Attendez, je ne sais plus. Il a 37 ans, voilà. 37 ans, il doit avoir autour des 37 ans maintenant. 37 ans. Excusez-moi, Bruno, je ne sais plus parce que 37 ans voilà. moins 3, 30. Je sais plus compter. 87. Non, c'est pas 74, c'est pas Oui, possible. c'est possible. Oui. Oui, Bon, c'est possible. c'est pas grave. Et puis la fille, alors, la première lettre? Un J comme Johan, par Voilà. Et exemple. puis sa date de naissance? Pourtant, j'essaie. Septembre, le 25 septembre. Oh, mon Dieu, et pourtant, j'essaie, hein, c'est fou. Non, mais c'est fou. Hein. Non, mais parce que j'ai dû mettre une barrière pour moi pour pouvoir souffrir. 25 septembre, 80. Attendez voir, lui, Elle il a était 80, quel 85. âge? Elle a quel âge? Oui, alors dans les 35. D'accord, ça me suffit, il n'y a pas de souci. Alors, Je m'excuse, mais mais je suis un peu non, c'est perturbé non, avec mais ça, je crois. c'est pas toujours évident. Alors, savoir s'il y aura à nouveau. Depuis combien de temps on n'avait plus de contact avec. Ouh là là, ça fait deux. Alors lui, déjà des années, mais je Oui. ne sais pas pourquoi, c'est ça le pire. Et puis elle m'a carrément écrit, là, voilà, que. Ouais, qu'il allait prendre le nom du beau-père, ben, donc ça, il rentre dans une maison après. Alors voilà, c'est triste, c'est un triste, mais enfin bref. Elle, ça fait peut-être 2 ans maintenant. Et avant, vous aviez des contacts quand même avec. Oui, j'ai des contacts, oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, toujours 5. C'est vrai. Je sais pas pourquoi je demande. 4, Non, 6. mais par politesse. Voilà, c'est pour dire quelque chose. Voilà. Mais cette question m'est revenue comme ça juste maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je pense qu'il y a une raison parce que 1, 2, 3, Mais 4. je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, je n'ai jamais. Mais vous savez, moi je serais tenté de dire. Alors c'est vrai qu'il y en a avec. Alors j'arrive pas à dire parce que c'est difficile dans les cartes de savoir si c'est garçon ou fille. Il y en a un des deux où ça sera très compliqué de reprendre contact. Mais l'autre, alors est-ce qu'on parle de la fille, est-ce qu'on parle du garçon? C'est difficile, il Alors, faudrait. je pense peut-être. Alors, je vais juste vous dire, Bruno, Oui. juste vite au passage. Oui. Mon fils, un jour, il me dit, voilà, papa, je suis homo. Puis moi, je lui dis, ben écoute, c'est pas mon truc, mais t'es mon fils, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas dit, oh, mon Dieu, pas du tout, je ne suis pas contre, pas du D'accord. tout. J'ai dit, c'est pas mon truc. Alors, est-ce que quelqu'un, après, a été tourné en disant autre chose, d'une autre manière? Je l'ai pris dans mes bras hein, quand il m'a dit ça. J'ai dit, ben écoute, fiston, voilà, c'était mon fils, c'est ta vie, voilà, c'est pas mon truc, j'ai pas dit, ouais, les homos, pas du Ouais, tout. vous avez parlé de F là en fait, hein? Oui, F, D'accord. voilà. Parce que Et puis, oui. après quelques mois après, plus de nouvelles, plus rien, j'ai écrit pendant des années, les anniversaires, les Noëls, il m'a jamais répondu. Ouais, C'est hallucinant. moi je pense sincèrement
Et je comprends aussi ce que je ressens. C'est, je pense que c'est votre fils, effectivement, qui regrette beaucoup. Je pense qu'il doit en avoir gros sur la patate, quand même. Même si, des fois, on pense qu'il s'en fout. Comme ça, je ne pense pas. Après, je ne veux pas dire qu'il pense toutes les minutes à vous, hein, non plus. Il a sa vie. Ouais, là, c'est, voilà. Mais je pense qu'à des moments, c'est comme tout enfant. Je pense quand même que ça doit le travailler. Moi, mon ressenti, mon cher Mario, c'est que je ne sais pas comment vous pourrez faire, peut-être pas maintenant, vous partez, mais à votre tour, est-ce que vous avez un moyen un jour de pouvoir le voir, de lui parler, puis de lui dire en face les choses, pas par téléphone ou par SMS, de dire, mais moi, voilà, et puis essayer de s'expliquer, parce qu'effectivement, je pense qu'il doit y avoir des malentendus, où il a peut-être mal, vous savez, comme vous dites, les gens lui ont peut-être dit, oui, ton père, il ne supporte pas ça. Ou alors il est contre toi. Non, alors pas que du tout. Alors que, oui, mais voilà, je sais très bien que ce n'est pas vrai. Mais voilà. Des fois, quand les autres rapportent les choses, il suffit qu'ils... Vous savez, c'est comme on dit, on dit une phrase, et puis il y en a quatre qui la redisent, et puis le dernier qui l'a dit, ben, il a tout transformé, en fait. Hein. Donc c'est un petit peu ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc ça tout vaudrait la peine, sincèrement, alors je ne sais pas comment vous pourrez faire. Ben, je ne sais pas, on verra. Je demanderai à un autre médic comment faire. Mais elle a fille en plus, comme je l'ai souvent dit, je ne sais même pas si c'est réellement ma fille. Je ne sais pas. Il y a toujours quelque chose. J'ai une question avant qu'on se quitte. Est-ce que votre fils, là, le troisième, elle, dont on a parlé tout à l'heure, il a un contact avec eux ou pas du tout? Alors, il avait des contacts, mais plus maintenant parce que lui, il dit que c'est des vendus pour lui. C'est des vendus, c'est des gens qui regardent que l'argent et il n'y a pas l'amour. Ah, ok. Tandis qu'avec mon fils, il a sa vie, je ne le vois pas tous les jours, il fait son truc, il me téléphone quand il a besoin, bien sûr, mais c'est normal. Il fait sa vie aussi. Mais il a toujours les gens qui le connaissent, ils me disent, ton fils, il est poli, il est si, il est vraiment, il est adorable. D'accord. Donc, il doit faire sa vie, il n'y a pas besoin d'être toujours à papa, non, mais c'était, papa, ça va, papa. C'était savoir si vous pouviez, parce que des fois, peut-être contacter avec votre autre fils à oui, travers lui, sais, mais bon, s'il ne se parle pas trop, c'est compliqué, effectivement. C'est-à-dire, il peut se parler, mais il n'en a pas envie. Il a dit, cette chanson, pas la peine, parce que moi, j'ai fait des années, j'ai écrit, il ne répond jamais. Qu'est-ce que vous voulez que tu fasses, ouais, mais écoutez, moi, ce que je vous propose, partez... Ne pensez pas. Alors, je sais que vous dites facile à dire, ne pensez pas à ça parce que vous allez y penser. Mais partez tranquille. Partez tranquille dans votre voyage. Faites ce que vous avez à faire. Oui. Et au retour, si jamais on peut peut-être une fois essayer de voir par quels moyens, en posant des questions. Oui. Peut-être d'accord. Vous pourriez. Mais là, je pense que ça prendrait trop de temps. Mais je pense que mon ressenti profond, c'est que tout n'est pas perdu avec ce garçon. Alors. Je ne dis pas que vous allez devenir les meilleurs pères et fils du monde, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il peut y avoir quand même un contact, un dialogue gentil, poli, et puis quand même, on va dire, presque normal. Et puis lui faire comprendre que vous ne lui en voulez pas, qu'il soit homo ou qu'il ne soit pas homo, ça on s'en fiche, effectivement. Écoutez, chacun sa vie. Moi, je veux dire, chacun son truc, je n'ai rien à juger là-dessus. Voilà. Quand je dis que ce n'est pas mon truc, ça ne veut pas dire que je les déteste. Et puis, absolument. Pas du tout. Non, mais pas absolument. Du tout. Chacun a le droit d'aimer ou pas aimer, mais après, on n'est pas... Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Bon. Bruno, dernier truc. Oui. Vraiment, dernier. Alors, moi, je pense que je vais avoir un tout petit peu plus de chargement parce que j'essaie toujours de faire le minimum possible. Est-ce que mon voyage se passera bien, pas de contrôle D'accord. Après, je n'en vais plus. Parce que vous dépassez le poids un petit peu, vous allez dépasser. C'est-à-dire, il y a peut-être 100 kilos, 150, mais le camping-car, il supporte, c'est pas le problème, c'est une question de loi. Ouais. Voilà, on a droit jusqu'à 3 tonnes 5. Oui. Après, on a peut-être un 3% du total. Alors, peut-être que je serai un peu plus parce que je porte comme toujours des habits, des souliers, un tas de trucs à chez les gens. Et puis, alors, est-ce que. Moi, j'ai toujours peur du contrôle parce que là, je peux me faire enlever le permis, c'est beaucoup trop. C'est ça le problème. J'allais vous dire une bêtise, mon cher Mario. Quand il pèse le camping-car, vous descendez, ça fera 100 kilos de moins. Et puis vous faites comment pour reculer puis avancer pour le poids? Je vais le gonfler à l'hélium. Ah oui, comme ça vous passez comme un ballon, effectivement. Oui, voilà. Bon, allez, donnez-moi toujours le 5. Oui.
Oui, 2-5, allez. D'accord. Est-ce que tout se passera bien? J'arrive au Maroc sans problème. Voilà, Non, mais c'est ça qui est le plus je vous disais important. ça parce que je me disais, les hommes, on pèse 70, 80, 90 kilos. Donc, si à 100 kilos de moins, vous descendez, vous dites, ouais, c'est bon. Ah oui, bah oui. Non, mais je suis de réserve Bordeaux, de toute façon. Je ne le Ah, rends plus au Maroc, vous voyez. ouais. Voilà, C'est voilà. important. Non, ça va aller. Ça va aller, Bruno? Je vois pas de 2, 3, 4, 5. Je parle la nuit exprès, je parle la Ouais, nuit, la nuit alors, exprès. ça dit quand même de pas tenter le diable. Voilà. Alors, je sais pas comment on Non. pouvait faire pour pas. Faut peut-être pas justement passer les contrôles à des heures propices ou je ne sais pas comment. Voilà, vous dites, Ben, faut je pas. parle la nuit. Non, Alors, je c'est parle bien. la nuit. En partant la nuit, comme je fais toujours, par la nuit, 10h-11h, est-ce que. Voilà. Parce que je passe le col, Parce qu'ils peuvent. Saint-Bernard, et puis après l'Italie, puis c'est bon. Parce qu'ils vous embêteraient plus si quand vous montez dans le bateau, enfin quand vous allez sur le bateau ou bien Non. là-bas à l'arrivée. Non. Non. Le bateau, c'est rien du tout. Ah. Une fois que je suis à Genova, il n'y a plus de problème. C'est D'accord. depuis la Suisse jusqu'à Gênes. Ça me fait un peu. Dans l'ancien. Forcément, parce que j'ai jamais le contrôle, mais voilà. On sait jamais. C'est Non, ça que j'aimerais mais savoir. je vois. Écoutez, moi, je ne ressens pas en tout cas que vous allez être embêté. En tout cas, même si vous avez un contrôle, ce sera peut-être les papiers ou voilà. Oui, Mais je ne d'accord. vois pas de contrôle, de poids ou de choses comme ça à ce J'arriverai point-là. à bon port, Oui, voilà, tout à j'arriverai à fait. bon port. S'il y a ça, Absolument. ben c'est bon. Absolument, absolument, absolument. Voilà. Merci Bruno, merci Bruno. Bon, On laisse la voilà. place à Bon. quelqu'un d'autre qui a plus de besoin. Et puis bon voyage surtout, hein. Passez un Merci bon Bruno. séjour, amusez-vous bien, mangez bien, et puis enfin voilà, passez un bon séjour. Voilà. Merci Bruno, mais je dois juste vous dire un tout petit truc, juste de 30 secondes. Vous Dites. savez qu'au Maroc, sur mon téléphone, je tape, tac, et puis de temps en temps, je vous écoute, j'aime bien, j'écoute les émissions de temps Ah, en vous pouvez temps, plus écouter des. facilement. Bon. Ah, mais vous allez par Facebook ou bien par Non, 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 je joue avec mon téléphone, avec mon téléphone directement, parce que si vous voulez, je prends une carte du Maroc, je prends pas D'accord. la carte suisse, là je l'enlève. Au Maroc, tac. J'ai un petit abonnement, comme ça, je charge. Et puis, j'aime bien regarder 10, 15 minutes. Ah, il y a Bruno ce soir. Ah oui, il y Ah, a vous pouvez regarder quand Crystal. même. D'accord. Bon, bah, écoutez. Bah, alors. Oui, nous on Mais je part. peux pas appeler. Nous on Mais je peux part. pas Oui, appeler. mais nous on part pas. Donc on sera là jusqu'à ce que. Vous revenez quand, en fait? Oh, attention. Vous êtes assis, oui, vous êtes assis, Bruno. Hein, c'est Oui, bon. je suis assis. Alors, je pars le 8 septembre et Oui. je reviens le 13 novembre. Deux mois environ. D'accord, ok. Oui. Et la prochaine fois, ça sera 3 mois. D'accord, ok. Allez, Ben, qu'on encore fait bon la fête. voyage, Bon. bon Merci, séjour, Bruno. bonne route et puis prudence quand même, hein, attention. Oui, tout à fait, tout à fait. Salut à toute l'équipe. Allez, Merci merci beaucoup, Bruno. beaucoup, à Bonne bientôt. Au revoir, soirée. Mario, au À revoir. bientôt. Au Au revoir, au revoir. revoir. Voilà, ben, on souhaite bon voyage. Et effectivement, c'est un périple, hein, quand même, ce que Mario fait chaque année. On lui souhaite bonne route et puis pas trop d'autostoppeuses, ni d'autostoppeurs, hein, on ne sait jamais. Voilà, des fois c'est sympa, ça accompagne dans la route. Mais moi, c'est que voilà, j'ai eu pris dans le temps, mais aujourd'hui, je suis devenu plus méfiant. Voilà, il n'y en a plus beaucoup de ces autostoppeurs. Nous, on va prendre le stop. Vous savez pourquoi maintenant? On va aller du côté pub. On va partir quelques secondes sur la pub et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et voilà, de retour déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, après ces bonnes nouvelles de ce monsieur qui part. Rendez compte, 2 mois, c'est vrai que tout le monde n'a pas les possibilités, bien sûr, mais ce n'est pas une question de possibilité. Si on peut, je parle pas, donc je voulais dire, ce n'est pas toujours une question d'argent, si on peut effectivement voyager. Et puis ce monsieur, je le sais, Mario, il l'a dit, il ne le cache pas, il voyage, il aide des gens, il amène des affaires. Donc c'est vraiment quelqu'un de formidable, très gentil, qui a vraiment le cœur sur la main. Je le connais personnellement. Et c'est quelqu'un qui effectivement aime aider, enfin, aide beaucoup les gens. C'est vraiment quelqu'un qui est formidable et qui a le cœur sur la main, comme on l'a dit. Après, chacun sa vie, voilà, il a ses soucis aussi avec sa famille, mais ça, c'est encore autre chose. C'est vrai que, voilà, nul n'est prophète en son pays, hein, donc c'est vrai qu'on peut des fois aider les autres, mais
des fois soi-même. Ce n'est pas toujours évident. On a aussi ses soucis, puis on ne peut pas toujours résoudre des problèmes soi-même. Alors, je veux dire, on aide des autres, mais on ne peut pas toujours. Voilà, et toi, le ciel t'aidera, c'est ce que dit le dicton, mais ce n'est pas si évident que ça. Voilà. Mais j'espère qu'on trouvera une solution, parce que je suis aussi père, comme beaucoup de vous, son père et mère. Et quand on a des soucis comme ça avec des enfants qui ne vous parlent plus, c'est. Je trouve que c'est dommage. Après, tout dépend des raisons aussi, parce que voilà, on veut pas aller dans des choses extrémistes ou s'il y a eu des maltraitances, des choses comme ça. Mais voilà, mais je trouve que c'est dommage, effectivement, d'en arriver là. On va tout de suite prendre un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mais je veux pas vous maltraiter, Bruno. Vous savez bien. Ah, j'ai eu peur. Non, mais je parlais des autres, pas de oui. moi. Hein. Oui, ah bon. Mais bonsoir, Doriane. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Ben, voyez comment j'ai passé cet été? Vous voyez les restes. Bien. Oui, ben, oui, je vois, ils sont très bien, les restes. Ah, ben, c'est merci. Je suis juste en train de marquer les coordonnées, et puis il y a quelqu'un d'autre. 14, 3. Qui est K? K, c'est mon petit-fils. Petit-fils, d'accord. Alors, écoutez, les vacances, oui. Enfin bon, c'était vite fait. Hein. Je suis parti un peu au mois de juin quelques jours, je l'avais dit. J'étais parti à Paris quelques jours, mais depuis, ben, je suis là. Je ne suis pas parti. J'étais hier. Ah, j'ai cru que vous alliez quand même faire un petit tour en Espagne. Non, hein. Non, pas cette année. Non. Pas cette année, malheureusement. Mais bon, ça sera l'année prochaine. Paris, c'était bien, je suis sûr. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, on verra. Oui. Hier, d'accord, vous savez qu'hier, c'était mon anniversaire. Ah, j'ai oublié. Pardon. Hop. Excusez-moi, mais j'ai complètement oublié. Non. Mais c'est pas possible. Oh, non. Mais je suis navrée alors. Non, mais parce qu'on se connaît. Non, parce que je sais qu'on se connaît aussi. Ben, vous me le direz l'année prochaine. Ah, mais non, alors je vous enverrai un petit mot quand même. Mais non, mais non, je vous disais ça parce que c'est vrai que chaque fois. Vous avez été surpris que je vous envoie rien. Ah, non, pas surpris, parce que je sais que chaque année, vous m'envoyez un petit mot, bon anniversaire. Mais j'ai dit sûrement qu'elle a oublié, Doriane. Mais c'est pas grave, mon Dieu. Non, vous savez, j'ai réussi à dormir quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai peur. Il est vrai que hier, et je remercie d'ailleurs, je profite de ce moment qu'on parle de ça, pour remercier tous les gens qui me connaissent, qui m'ont envoyé un petit mot de bon anniversaire, de belle journée, etc. En général, quand je reçois des mots, je remercie aussi. Je retourne en disant, voilà, merci beaucoup. Mais voilà, donc j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Mais il n'y a pas de souci, hein, mon Dieu. Vous savez Moi, je suis au sang-coup, là. Hein. Pardon. C'est pas grave. C'est... Je vous coupe la parole. Je vous en veux pas. Vous savez, Doriane, ma maman... Elle disait toujours qu'elle n'aimait pas les anniversaires. Puis je dis, mais pourquoi? Ouais, parce qu'on a un an de plus. Elle n'aimait pas vieillir. Elle n'aimait pas. Donc elle disait, j'aime pas les anniversaires. Voilà. Et puis quand on lui demandait son âge, elle était très coquette. Elle se rajeunissait toujours. Ah, ben moi, j'enlève 10 ans carrément. Hein. Ah, bon, d'accord. Donc en fait, vous avez 110 ans, c'est ça. Mais c'est ça, oui. Bon. Dites-moi, Doriane, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, ben, écoutez, pour moi, pas grand-chose, à part que j'ai mal. Ça fait 3 semaines que j'ai mal à la nuque gauche. D'accord. Ça part sur l'épaule et ça descend au milieu de mon dos. Bon, au milieu de mon dos, j'ai une scoliose, vous me direz. Mais c'est horrible. Surtout le soir, hein, mais c'est insupportable. Je vous ferai le matin, je me réveille à peu près, ça va. Ça va, vous avez pu reposer, d'accord. Soir, alors, je vous ferai le secret tout à l'heure. Et je crois que vous avez une question pour votre petit-fils, c'est ça? Oui, mon petit-fils, j'aimerais bien savoir comment il va parce que... Il a perdu son chat. Et puis son chat, c'était quelque chose d'exceptionnel, quoi. D'accord. Puis, je sais pas comment il va. Est-ce que vous pouvez me donner des nouvelles? Je vais le voir. Non, je vais pas le voir demain non plus. Donc, c'est le fils de votre... De ma fille. De votre qui fille. A son anniversaire demain. Ah, en plus, oui. Ah, elle est du 31, elle. Oui. Bon, ben voilà. On a 2 jours de...
Alors, de deux jours et quelques années, peut-être, quand même. Je ne sais pas de quelle année. À peine. Bon, alors, on va aller voir pour K. Comment il va? Oui. Il est mort de quoi, son oui. chat? De vieillesse ou il avait quoi? De vieillesse. Oui. D'accord. De vieillesse. Bon. Oui. Malheureusement, les animaux, on les perd aussi, c'est vrai. C'est triste, moi, j'en ai perdu plein. Ça mais fait... bon. Moi aussi, c'est triste, vraiment. Ouais. C'est pour ça que je pense à lui, vraiment. Et on s'y attache beaucoup, c'est vrai, effectivement. Hein, mm-hmm. Voilà. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Moi, c'est ce qui... Alors, là où je suis, j'ai pas le droit... J'habite un studio meublé, j'ai pas le droit d'avoir des animaux, chats et chiens, ils veulent pas. Mais mm-hmm. franchement, même... Alors, je me dis toujours que si j'avais un autre appartement, certainement que j'en prendrais. Mais ce qui me fait toujours hésiter à prendre un chat ou un chien, c'est justement parce qu'il... Moi, je m'y attache aussi tellement que quand ils partent, c'est le drame, c'est la catastrophe et j'aime pas ça. Qui aime ça hein? Je pense personne. Mais... Ah ben personne. Moi, j'ai perdu un chat et deux chiens. Ça... Ouais, c'était non, c'est terrible à chaque fois. Hein. Alors, voilà. Quoi. Puis... Ouais. Alors, bon, ça va aller. On voit, oui, on voit la tristesse. On voit, voilà. On voit, dans la synthèse au milieu, on voit qu'il est parti. C'était quand il est parti quand ce chat de ces derniers jours? Oui, il a été incinéré, je crois, lundi. D'accord. Bon, ça, écoutez, c'est normal qu'il soit triste, comme on l'est tous quand on perd un animal. Maintenant, on voit qu'il a quel âge, je vois... Il a 34 ans. 34, ouais. Ouais, non, mais on voit que ça va aller. Ça va aller. On voit... Ben, écoutez, je ne peux pas dire autre chose, mais ça rejoint ce qu'on pense toujours. Et c'est vrai, c'est ce que me disent les cas. C'est peut-être pendant quelques jours, il sera un petit peu triste. Mais après, voilà, ça va passer comme tout. Et ouais. Puis, voilà. Il a l'intention d'en reprendre ou pas? Je ne sais pas encore. Moi, c'était vraiment un compagnon depuis des années, donc... Ouais. Moi, je sens qu'il va en reprendre. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être pas dans les jours qui viennent, mais dans les mois qui viennent, ce que je ressens, l'image que j'ai eue... Il était quelle couleur, le chat, qu'il avait? Noir. Ah, c'est marrant, j'ai ressenti un plus clair, mais alors après, la couleur, c'est pas... Le modèle, c'est pas grave, ouais. Hein, on va dire, mais on ressent le modèle ou la couleur, c'est pas grave, mais j'ai ressenti qu'il va tomber, ou alors quelqu'un qui va lui dire « Ah, j'ai un petit chat à donner, tout petit bébé », et il va dire « Ah, non », et puis finalement, il va le prendre, parce que... voilà, et puis c'est comme ça, voilà. Mais il va en avoir un autre. Pas tout de suite, je dirais octobre, novembre, décembre, ça mm-hmm. je ne peux pas tellement dire. Et c'est ça aussi qui fait que moi j'ai aussi eu plusieurs chiens, puis quand on le perd c'est terrible, mais après quand on en a un autre, ben, il fait aussi oublier, pas oublier, mais ça aide un petit peu à oublier le premier. Oui. Voilà. Oui, ça aide, tout à fait. Ah là, moi j'en prends plus tellement non plus parce que... Le problème, c'est que moi, j'adore les animaux. Alors, les chats, c'est différent, mais moi, j'aime beaucoup les chiens. Mais les chiens, alors, non seulement, bon, quand il pleut, il neige, il fait moins 20, il faut les sortir. Hein, donc, ça, c'est terrible. Alors, ça, j'ai pas toujours aimé. Et puis, le problème, c'est que si vous partez, ben, selon où vous allez, vous pouvez pas les prendre parce qu'il y a des hôtels où ils les veulent pas. Oui. Et puis, voyager en avion, tout ça, avec un chien, c'est pas... Moi, j'aime pas trop ça. Je préfère... C'est pas possible, ouais. C'est vrai. Mais bon, moi, j'ai emmené seulement mes chiens dans le sud, oui. Dans ma maison. Alors, si vous partez en voiture, c'était oui. C'était facile. Mais, hein, non. Alors, moi, avec mes parents, on avait des chiens. On les prenait dans la voiture. Puis, voilà. On avait un chien qui adorait aller en voiture. Puis, on en a eu un autre qui détestait. qui allait. Vous savez, c'est drôle. Alors, c'est drôle. Celui qui détestait... c'était un petit pincher, je peux dire, je me souviens, un petit brun. Et puis, il était avec ma maman devant, puis il mettait ses pattes sur le tableau de bord devant. Puis, il en avait... qu'on allait jusqu'en Espagne, puis c'est long, le voyage. Puis, il en avait tellement marre que toutes les voitures qui venaient en face, il leur faisait... Il les aboyait. Il en avait ras-le-bol. Et nous, ça nous est marré, parce qu'en fait, chaque voiture qui passait, c'est comme s'il en avait ras-le-bol de voir ses voitures nous croiser. Au début, il disait rien, mais au bout de 500, 600 kilomètres, il leur aboyait dessus. Ah bon, c'était d'un drôle. Et puis, quand on faisait le retour, c'était la même chose. Mais il faisait chaque fois ça. C'est drôle, des fois. Hein. Mais bon. Aïe. Voilà. Aïe. Et puis, celui qu'on avait avant, il aimait, il dormait, il disait rien du tout. Alors, voilà. C'est là qu'on voit
que les animaux, c'est comme nous, on est tous différents. On a chacun son caractère, chacun sa façon d'être. Et vous pouvez des fois même avoir, mes parents avaient eu un frère et une sœur siamoise, des chats, mais ils étaient frères et sœurs, mais ils avaient le caractère, mais complètement différent l'un de l'autre. Alors, c'est fou, hein? C'est comme ça. C'est impressionnant. Ça, mais moi, j'adore. J'en parlerai des heures, mais bon, on n'est pas là pour ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, ma chère? Non, là, je suis complètement perdue avec tout ce qu'on raconte. Mais je crois que... surtout mon dos, quoi. Oui, on a parlé de votre petit-fils, ça va aller, hein? Oui, ça ira. Alors, je vais quand même regarder, que je dis regarder dans les cartes, hein, pas directement sur votre dos. Hein, mais là, il n'est pas visible. Hein, autrement, il n'est pas visible. Ou alors, il faudrait que je vienne juste chez vous. Non, je vais regarder dans mes cartes vous. Je vais regarder dans mes cartes. Je ne sais pas si votre amie serait contente quand même. Hein. Je ne sais pas. Wow, on n'a pas besoin du tout. Voilà. On n'a pas besoin de tout dire. Hein, mince. Allez, donc vous avez dit le côté gauche de la nuque et puis le côté gauche du dos. Et, hein. puis l'épaule et puis ça descend dans le dos. C'est marrant. En même temps qu'on dit ça, j'ai une douleur dans le dos. C'est à l'épaule, vous dites? J'ai mal à l'épaule, mais j'ai toujours mal dans le dos à droite. Ouais. Est-ce que j'ai... Une scoliose, vous avez dit. Oui. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Alors, moi, je peux pas parler de la maladie, vous me l'avez dit, mais je vais regarder pour la douleur. Un chiffre entre 1 et 6, pour ça ? Toujours le 4. Toujours le 4. Aujourd'hui, c'est 4. Bon, voilà. Vous avez fait quoi comme genre de travail dans votre vie, ma chère Doriane, si je ne suis pas indiscret? Écoutez, vous n'êtes pas indiscret du tout. Au début, j'ai fait de la chimie. Ensuite, j'ai fait de la spectrométrie pendant 17 ans. D'accord. Ensuite, j'ai fait une école de soins infirmiers. Donc là, j'ai fait à peu près 6 ans dans les soins. Et puis après, j'ai eu une petite brocante. D'accord. Alors, en fait, je vous posais cette question parce que c'est comme si les cartes me... Alors, souvent, les mots qu'on a qu'on a plus tard, on va dire, c'est aussi suite à ce qu'on a fait dans sa vie. Si on a, je sais pas, je dis pas pour vous, mais quelqu'un qui a levé des trucs très lourds pendant toute sa vie, il finit avec mal de dos. Vous avez parlé de soins, je sais pas si vous avez dû lever des personnes, je dis comme ça, ou vous avez dû faire des choses, j'en sais rien. Donc on voit que ce que vous avez aujourd'hui, ça m'étonne pas, est lié à votre professionnel d'avant, de peut-être de choses que quand on est plus jeune, on se dit allez hop, on y va, mais on le paye quand même plus tard un jour par des choses, des efforts ou des choses qu'on a fait. Possible. Est-ce que c'est le fait, vous avez parlé de travail quand vous faisiez de la recherche ou je ne sais pas quoi, donc vous étiez peut-être beaucoup assise aussi, je ne sais pas, hein, donc je ne sais pas exactement tout, vous avez dit plusieurs métiers, mais on voit que c'est lié au professionnel. Maintenant, parce que la question c'est de savoir si ça ira mieux. Moi, ça me dit oui d'un côté, je vais vous dire oui et non, parce que cette épaule, alors, je ne sais pas si c'est l'épaule ou ce qu'il y a. Vous n'avez jamais eu... Mais la nuque, surtout. Hein, vous n'avez jamais eu d'intervention à ce niveau-là? Non, jamais. Non. C'est surtout la nuque, vous dites? C'est surtout la nuque, puis après, ça finit dans l'épaule et dans le haut du dos. Trapèzes, quoi. Mais vous avez déjà fait des soins, physio, tout ça, j'imagine que vous avez fait, j'imagine. Non, je commence mardi prochain. Ah, parce qu'on voit quand même, alors c'est bien, parce qu'on voit quand même qu'il faudrait, détendre tout ça. C'est comme si la musculature et puis les nerfs, tout était un petit peu coincé. Donc ça va vous faire du bien. Ouais. Ça va vous faire du bien, effectivement, Doriane. Donc c'est ce que, parce que j'allais vous dire, il faudrait peut-être vous faire masser ou vous faire, mais massage gentil, hein, pas des trucs barbares où on vous massacre le dos. Hein, c'est pas ça que je ressens. Mais promis, je le dirai. Voilà, dites-lui qu'il ou elle, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, qu'elle fasse doucement. Ça sera un garçon. Un garçon. Bon, qu'il fasse doucement, hein, pas que... Voilà. Oui. Mais on voit, vous me redirez, mais on voit que ça va mieux aller. Non, moi, je vous demandais si vous avez déjà eu une intervention, parce qu'en fait, les cartes, comme c'est positionné là, déconseillent. Si un jour on vous disait, alors moi je ne suis ni médecin ni chirurgien, mais si on vous disait, il faut opérer ça...
Les cartes des conseils, effectivement. Oui, ça ne m'étonne pas. Non. Les cartes des conseils, parce que des fois, il y a des gens qui disent oh, on opère, puis ça ira mieux, mais des fois, c'est pire après. Donc, ouais, pas trop touché. Surtout que ce n'est pas tous des bons chirurgiens. C'est pas ça, je ne me permettrai pas. Mais ces endroits-là. Oui, ces permettrai. Alors, vous vous permettez, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des endroits quand même délicats. Et entre nous, peut-être à partir d'un... Vous avez dit, vous êtes jeune, mais à partir d'un certain âge, il faut éviter ces choses-là. C'est vrai. Est-ce que je peux faire autre chose, ma chère Doriane, encore, ou pas? Écoutez, le secret. Non, je crois que j'ai... Le secret, ah oui, mon Dieu. Le secret, s'il vous plaît. Vous n'avez pas d'autres questions? J'ai rien sous la main, mais je pense... J'ai pas pensé, à vrai dire. Alors, on y va, je vous fais le secret. Vous allez fermer les yeux, vous pensez à vous-même, donc comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et vous pensez en même temps au fameux petit carré blanc, s'il vous plaît. Voilà, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Alors, je vois, enfin, j'imagine le petit carré blanc, et puis je m'installe dans ma chaise longue. C'est bon, je suis prête. C'est bon, alors j'y vais. Merci, Doriane. Voilà, c'est tout bon. Merci infiniment, ma chère Doriane, d'être passée. Et puis, une belle suite de soirée. Et puis, à la prochaine, à l'année prochaine. Alors, vous n'oublierez pas le 29. Ah, vous êtes terrible, vous me faites mal au cœur, parce que j'ai oublié. Mais c'est pas grave, je vous dis justement à l'année prochaine. D'accord. Vous savez, l'année prochaine, je l'aurai de nouveau, hein, c'est pas grave. Non, mais et vous allez rajeunir dans l'an, l'année prochaine. Ah, mais vous savez, maintenant je compte à l'envers. Maintenant, je vais reculons. En fait, j'ai pas une année de plus, j'ai une année de moins maintenant. Voilà. Oui, tout à fait. Je raison. Vous embrasse. D'ailleurs, vous vieillissez pas du tout. C'est gentil, alors merci beaucoup. Allez, je vous embrasse. Belle soirée à vous, Doriane. Merci soirée, infiniment. Au à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et merci à TVM3, j'ai gagné le concours. Mais. Vous voyez que vous avez de la chance. Continuez. Oui, alors, continuez à jouer, continuez. Excellente merci soirée beaucoup. À vous. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Alors, au revoir. Alors, on va. On m'a dit qu'on a un petit peu de temps, donc on va faire un petit peu de boutique. Allez, on va voir quelques objets. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps. Cette fois. J'ai peut-être un petit peu plus de temps. Alors, je prends mes lunettes. Alors, je vais vous parler de l'orgonite pyramide, arbre de vie, kabbalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz d'une dimension de 5 sur 5 de hauteur. Donc, c'est vraiment, en principe, une pyramide, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est le nombre d'or, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref. Alors, l'orgonite est faite d'un mélange de résine, de fibres, avec des copeaux métalliques, et des cristaux ou minéraux sont ajoutés au mélange pour rendre l'énergie plus cohérente ou pour améliorer le fonctionnement de l'orgonite. Et donc c'est une spirale de cuivre qui va potentialiser la conduction de l'orgone
est la transmutation des énergies. C'est pas facile à lire. Hein. Les parties métalliques attirent, rassemblent et accumulent l'énergie de la vie, énergie subtile, énergie éthérique, force vitale. Voilà, on vous la montre en ce moment, c'est ce que j'attendais. Parce que c'est vrai que c'est mieux. Qui est tout autour de nous. Hein. Une fois absorbée dans l'orgonite, toute l'énergie de l'orgone est transformée et renvoyée avec une qualité positive qui améliore la qualité de vie. Ce processus fonctionne continuellement et est très efficace, attirant toutes les énergies négatives et les transmutant en énergie orgone positive. L'orgonite est utilisé pour nettoyer ou purifier les énergies dans la maison. Cela fonctionne aussi très bien dans différents types de travaux de guérison spirituelle. Elle est utilisée lorsque vous désirez nettoyer les structures énergétiques bloquées dans votre champ d'énergie. Oh, un joli texte. Hein. Elle fonctionne lorsque vous êtes dans un environnement qui émet beaucoup d'énergie négative, comme un environnement de travail stressant ou avec des personnes qui ont des émotions négatives, mais aussi lorsque vous êtes confronté à des entités négatives d'une maison, par exemple. Les entités négatives se caractérisent souvent par leur tendance à imposer leur volonté aux vivants, par exemple, par colère, ou en voulant contrôler les occupants de la maison, et souvent, elles se nourrissent de la force de vie des vivants. La forme pyramidale est un générateur d'énergie capable de stimuler, oui, moi j'en ai aussi une là, de stimuler les activités mentales du cerveau. Si vous vous placez près d'une pyramide, il vous sera possible d'accéder à des états supérieurs de conscience, mais également à un mieux-être physique. Votre sixième sens se développera et les cinq autres s'amplifieront. La pyramide est susceptible d'éveiller des perceptions et des sensations dépassant les limites de la plupart des gens, raison pour laquelle on leur a attribué l'appellation de paranormal. Selon certains adeptes de la pyramidothérapie, j'ai guérison par les formes pyramidales, les pyramides peuvent équilibrer les chakras, stimuler la circulation de l'énergie et favoriser la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Nos pyramides d'orgonite constituent une protection efficace contre les ondes électromagnétiques ainsi que de puissants outils énergétiques. Ces accumulateurs d'énergie orgone transforment l'énergie lourde d'une pièce en une énergie positive très puissante qui inonde chacun de vos corps subtils. La tourmaline noire est utilisée massivement pour son action efficace contre les ondes négatives, créant une barrière puissante contre les influences indésirables qui pourraient perturber votre équilibre émotionnel et spirituel. Le cristal de quartz entouré de sa spirale de cuivre, agit comme amplificateur dans la structure, offrant une présence apaisante et équilibrante. La forme géométrique de l'arbre de vie de la Kabbale, je finis la phrase, va venir renforcer les effets de la pyramide et apporter une dimension spirituelle profonde à cette orgonite en forme de pyramide, puisqu'elle symbolise la connexion entre le monde terrestre. Ah oui, il pourra répondre, parce que nous, on répond à l'argent. Allô? Allô? Oui? Allô, je vous ai... Oui, vous êtes là? Oui, je suis toujours là. Alors, vous êtes sur le plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je vous écoute. Que puis-je faire pour vous, madame? J'aurais aimé savoir... Oui. Mais il faut que j'éteigne la télévision. Hein, oui, c'est mieux d'éteindre. Oui, c'est mieux d'éteindre la télévision, voilà. Madame. Sinon, ça fait un. Voilà. Ben, ça fait une double truc. Oui. Non, je voulais savoir. Oui. Pour moi, parce que moi, je suis divorcée avec l'ex-mari. Ça fait 19 ans, ça, maintenant exactement. Oui. Puis comme il tombe amoureux tout le temps, comme pour un beefsteak. Dès qu'il est avalé, c'est fini.
Mais il vient tout le temps chez moi. Et puis ses temps, il est méchant. D'accord. Il a des réponses vraiment méchantes. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais qu'il a quelqu'un. Il va partir une semaine, je ne sais pas où. Je sais qu'il y a quelqu'un, mais il dit que c'est une amie. Il dit toujours c'est une amie, je ne veux personne chez moi. Mais comme il ment comme il respire. Voilà. D'accord. Quelle est votre question, en fait, par rapport à ça? C'était ça. Mais là, vous m'expliquez. Vous voulez savoir quoi? Il est vraiment amoureux. Ah. Mais non, parce que je sais qu'il est amoureux de cette personne, mais jusqu'à quand ça va durer? Alors, est-ce que cette relation va durer? Alors, j'ai le nom de votre ex-mari, mais, Mais j'ai, est-ce que vous savez le prénom de cette personne? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. C'est une collègue de plage, parce que monsieur va plager tout le temps. Alors. D'accord. Ils se connaissent depuis longtemps? Lui, il dit ils se connaissent comme ça, mais où ça a marché, c'est 7 ans, surtout. D'accord. Alors, avant, c'était des connaissances. D'accord, donnez-moi un chiffre entre 1 pour et 6. Pour lui, c'est des connaissances, c'est des amis. Voilà. D'accord, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'importe lequel. 7. Non, pardon, 6. Bah, voilà. Disons 5. Non, je vais... Non, je prends... Je suis pas bien dans ma peau. Oui, je sens que ça va pas. Très bien, alors calmez-vous, on va essayer de prendre les choses. Alors, je prends le 7, pas de souci, je suis en train de tirer les cartes. 1, 2, 3. Non. 5. Non, vous avez dit 7. Le 7 en premier, je suis obligé de prendre oui, le premier. Comme ça. Parce voilà, que voilà, mais c'est pas grave, je prends le 7, je dois prendre le premier. Merci. Que vous avez dit. Voilà, 2, 3, 4, 6, 7. Mais vous êtes monsieur Bruno, vous, oui, Bruno, tout court. mais il y a maintenant en arrière que je téléphonais souvent. D'accord. Oui, votre voix me dit quelque chose, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis mal dans ma peau, je suis vieille, mais je suis mal dans ma peau. Puis j'ai eu une crise cardiaque encore, l'année d'accord. Dernière. Oui, vous avez vu, on voit, on le ressent, et d'après ce que vous dites aussi, on voit que vous, puis là, vous apparaissez dans le jeu, vous n'êtes pas bien, effectivement. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je ne suis pas bien, je suis angoissée interne. Parce que j'y tiens toujours. Mais j'aime pas la façon de... Ouais. Cet abandon comme ça. Oui, alors c'est ça la souffrance qu'on voit. Alors écoutez, ma chère madame, ce qu'on voit, c'est... Mais lui, il est méchant ces jours. Je ne sais pas ce qu'il a. Alors, je vous explique. Comme ça. Oui. Alors, laissez-moi juste vous expliquer ce que je vois. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Il y a effectivement quelque chose, mais c'est du platonique. Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas grand-chose. Oui, mais il est comme ça. Il m'a toujours fait ça. Voilà. Ça fait 53 ans qu'on... 53 ans. Donc, il a toujours fait ça. Alors, ne vous inquiétez pas de cette personne, ça ne va pas durer. On voit qu'il y a la rupture qui est là. Je pense que c'est quelqu'un... Non, mais c'est une amie qui voit, je ne sais pas si c'est tous les jours ou pas tous les jours, mais ils partent en vacances ensemble. Hein, oui, d'accord. Alors, demain, il est peut-être déjà parti, je ne sais pas. Alors, écoutez... C'est juste pour me calmer que je fais ça. Tout à fait. Alors, rassurez-vous, ça va se terminer. Il n'y a rien de... Je ne vois aucune carte qui parle vraiment d'amour. Je pense que c'est plus une question de se rassurer, qu'il a besoin de plaire, etc. C'est ce qu'on voit. Ah, mais lui, il est comme ça. Ouais, là. Ouais, c'est un lion vraiment... Voilà. À 100%. Donc, ne vous inquiétez pas. On voit, là, en plus, il y a la rupture. C'est même pas un couple. Hein. On voit que c'est plus comme non, ça. Non, ça sera toujours une amie sur place, mais ça sera plus le couchage. Exactement. S'il a eu le couchage, S'il y a, parce vous savez, que... J'ai 85 ans. Ouais. Bon, alors, je le connais. Alors, ne vous inquiétez pas. Moi, je sens pas qu'il y a grand-chose. Il faut... Je vais être très... Non, il a... Il a toujours été comme ça. Excusez-moi, vous pouvez me laisser aller au bout de mes phrases parce que je n'arrive pas à placer ce que j'aimerais dire. Ne vous inquiétez pas. Alors, ce que je vois, je vais être très dur ce que je vais dire, mais il faut déjà pouvoir aller jusqu'au bout à son âge. Voilà. Je ne le vois pas. Ouais, voilà. Comprenez? Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Je ne vois pas de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des petits trucs, mais je ne vois pas grand-chose, en fait. Je pense que c'est plus dans la tête. Et puis, cette relation ne va pas durer très, très, très longtemps. Ils resteront amis, mais ça s'arrête là. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. D'accord? Ouais. Avez-vous une autre question, peut-être? Oui, parce qu'il fait du paddle, il se maintient jeune, il a maigri bon, de 10 kilos à peu près. Bon, mais ça pourquoi pas, il a le droit. Monsieur m'a plus vu, ben, tant mieux pour lui, je n'en veux pas pour ça. C'est la méchanceté si je lui pose une question que je ne supporte plus. Voilà. Par contre, il vient toujours vers vous, vous dites.
Ah oui, depuis qu'il est parti, son domicile, il vient, il m'amène son linge, je lui fais son linge, je lui le repasse, il vient en fin de semaine manger, mais oui. Vous ne croyez pas que vous êtes trop gentil, là, un petit peu? Je veux pas... Ouais, je suis conne. Non, non, alors, je me permettrai... Non, mais moi, je me le dis, moi, je voilà. me le dis tous les jours. Je ne me permettrai pas de vous dire ça. Écoutez, on est comme on est, mais je pense que quelque part, vous êtes trop gentil avec lui, et puis lui en profite, hein. Voilà, c'est tout. Ben, il a toujours profité, en tout. Voilà, mais voilà. Il a toujours profité. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour critiquer ou juger ou dire non, vous ne devez pas faire ça. Non, non, je vous demande pas la critique, je vous demande. Donc, comme il va partir, et puis... Mais vous inquiétez pas. Il est venu trois fois qu'il ne m'a pas répondu. Et puis, on est deux signes, on est du même signe, mais on se bagarre facilement. Le problème dans toute cette histoire, c'est Lui, il devient méchant, parce que là, je vois sa mère qui avait les mêmes attitudes de méchanceté, puis sa grand-mère. Mais ce que je exactement vois, pareil. Ce que je vois, madame, c'est que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vous avez encore des sentiments pour lui, c'est pour ça. Ah, moi, oui. Mais lui, il a des sentiments pour personne. Il a des sentiments pour sa personne. Oui, mais voilà. Tellement il est égoïste. Il est égocentrique, effectivement. Hein, donc, affreux. C'est devant la glace pendant une heure, se pomponner pendant une heure, il faut que tout le monde le regarde. Oh là 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 là. Il n'est pas plus beau que moi. Ça va quand on est jeune, mais pas quand on est vieux. Je sais pas. Bon, écoutez, ma foi, qu'est-ce que vous voulez faire tant que... Puis tout le monde le cherche parce qu'il est pipelette. D'accord. Tout le monde le cherche parce qu'il est pipelette. Bon, ben voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Mais bon, voilà, vous inquiétez pas, mais vous savez, un jour ou l'autre... Non, je m'inquiète pas, mais je l'arrête. Mais un jour ou l'autre, on doit descendre de son piédestal, et c'est ce que je ressens de ce monsieur, en fait. Voilà, ouais. Voilà. Ok. Ça va peut-être pas tarder, j'espère pour lui. Autre chose, chère madame, ou c'était tout ce que vous vouliez savoir? Non, moi ça va, moi ça va, parce que ma santé, d'accord. Ça n'a rien de vous demander à 85 ans. D'accord. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. D'accord. Merci de votre passage. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine, ma chère madame. Merci infiniment d'être passée. Au revoir, merci. Au revoir, madame. Ah, mais vous ne faites pas un signe de quelque chose? Vous voulez un secret? Voilà. Ah oui, pourquoi? Mais ça consiste à quoi le secret? Voilà, c'est pour... Alors, le secret, c'est... Dans une... Alors, le secret, c'est pour la maladie, les énergies, le moral aussi. Donc, peut-être pour ça, vous en avez besoin, effectivement. Alors, faites-moi ça. Alors, je vous explique comment ça se passe. Vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, comme si vous étiez... Comme si vous vous regardez dans un... Je ne pense pas aux autres, pense à moi-même. Non, alors, laissez-moi vous expliquer... Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même comme si vous étiez en train de vous regarder dans un miroir. Vous pensez à vous, simplement. Et vous pensez en même temps, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, au petit carré blanc, d'accord? Vous savez ce que c'est, le petit carré blanc? Non. Alors, c'est un petit papier blanc. Vous êtes devant votre télé. Ah oui, que vous tournez. Voilà. C'est ça? Voilà, je l'ai vous dire. Je le vois maintenant. Alors, vous pensez... Je vais fermer les yeux. Alors, vous pensez... Oui, ben... Donc, vous pensez, parce que beaucoup de gens le connaissent. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai le secret pour vous. Vous me dites quand vous êtes prête. Ah, d'accord. Dès que vous êtes... C'est bon. Voilà. Et puis, on reste concentré, on ne se parle pas. Je vous dirai quand c'est fini. Je commence maintenant. J'y vais. Voilà, c'est tout bon. C'est fait. Alors, bon courage. Merci à vous d'être passé. Excellente fin. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir, madame. C'est moi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, où en étais-je ? Je ne sais plus. Voilà. Ah, alors, non. Alors, j'en étais-je à nulle part. On va se quitter quelques instants pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Vous voyez dans ce paysage de sapin à l'arrière, ce temps un peu automnal qui nous arrive dessus. Et oui, 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 les beaux jours sont en train de partir. Au revoir, à l'année prochaine. Bon, on aura peut-être un beau... le printemps. Je dis n'importe quoi. Ce paysage automnal, c'est vrai que ça faisait penser au printemps, mais plutôt automnal. Donc, au revoir l'été, au revoir le printemps. Et vivement l'automne, qui peut être très, très bien, et l'hiver. Et voilà, après la pluie, le beau temps, après le soleil, le mauvais temps, ou en tout cas, voilà, des temps plus frais, mais on ne va pas s'en plaindre, parce qu'on s'est beaucoup plaint qu'on crevait de chaud, qu'on ne savait plus où se mettre. Et ben, maintenant, il faudra commencer à prendre les couvertures, les draps de lit, les draps à housse, et les choses comme ça. Il va falloir reprendre nos petites habitudes d'hiver. Hein, mais bon, alors, je continue où j'en étais resté avec l'orgone. J'avais pas tout à fait fini. Juste que je retrouve. Donc la forme géométrique de l'arbre de vie, de la cabale, va venir renforcer les effets de la pyramide et apporter une dimension spirituelle profonde à cette orgonite en forme de pyramide, puisqu'elle symbolise la connexion entre le monde terrestre et le monde divin, représentant bien sûr l'équilibre, la croissance et l'harmonie. Sa taille d'environ 5 sur 5 sur 5 est un peu plus petite que la précédente orgonite présentée sur Parlez-moi d'avenir. Elle viendra soit renforcer notre ancienne pyramide ou venir compléter la protection des autres pièces en la plaçant près des installations Wi-Fi, des ordinateurs, des téléphones fixes et mobiles, des compteurs électriques ainsi que des appareils électroménagers. En résumé, notre orgonite pyramide arbre de vie kabbalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz est un objet capable de neutraliser les effets négatifs des pollutions électromagnétiques, lignes haute tension, antennes et tours de téléphonie mobile, ordinateur, Wi-Fi, portable, télévision, jeux vidéo, appareillage électrique et ou électronique. Purifier et stabiliser l'habitat. Dynamiser le système énergétique. Assurer une meilleure croissance des végétaux, plants d'intérieur, potagers, arbres. Favoriser la vie sous toutes ses formes. Assainir l'atmosphère des véhicules. Diminution de la sensation de fatigue et de tension musculaire. Améliorer la qualité de sommeil et augmenter la faculté de récupération. C'est très important de la placer sur votre table de nuit. Et augmenter le taux vibratoire de son environnement. Son prix, 30 francs. 30 francs plus frais de livraison. Elle est vraiment magnifique. On vous l'a montré tout à l'heure. Je l'ai ici. Elle est vraiment très, 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 très belle. Hein. Voilà, je vous la conseille vraiment. Et effectivement, vous la mettez, par exemple, sur votre table de nuit. Vous verrez que vous allez avoir un sommeil récupérateur. Et voilà, c'est très, très bien. Moi, j'aime beaucoup hein, les pyramides. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le voyez, j'en ai à la maison aussi. Alors, on va passer à un autre objet en attendant le prochain, si on a le temps de le lire, parce que je vois qu'il est assez long aussi. Bon, ils sont tous longs. Alors, on va parler du pendentif de protection pierre de célestite bleue et cordon de ficelle de chanvre interchangeable. Donc la taille du cordon est d'environ 39 cm. Je l'ai ici. Voilà. Depuis des millénaires, la pierre célestite bleue est vénérée pour sa connexion profonde avec le royaume des cieux. Utilisée par les anciennes... qu'est-ce qui se passe? J'ai un chenille sur le là, je vois plus rien. Alors, on va... Voilà. Utilisée par les anciennes civilisations et les chamans du monde entier, cette gemme mystique a toujours été associée à la paix, à la sérénité et à l'harmonie. Connue également sous le nom de pierre du ciel ou pierre des anges, cette gemme d'une beauté céleste tient sa renommée des légendes qui l'entourent. Selon les légendes, justement, la célestite était considérée comme une porte d'entrée vers le royaume des anges, où les esprits se réunissent pour répandre la pureté et l'amour divin. La célestite bleue, également appelée célestine bleue,
Célestine Bleue, est une véritable bénédiction pour l'âme. Elle ouvre les portes de la communication avec les plans supérieurs et favorise une connexion profonde avec l'univers. Cette pierre d'une rare pureté agit comme un pont entre le monde terrestre et le royaume céleste, apportant une paix intérieure et une conscience spirituelle accrue. Elle inspire la créativité, l'intuition et favorise l'éveil de la conscience, vous permettant d'explorer de nouveaux horizons spirituels. En plus de ses pouvoirs spirituels, la célestite bleue est également un remède pour l'âme et le corps. Elle est réputée pour ses propriétés curatives aidant à éliminer le stress, l'anxiété et les émotions négatives qui peuvent entraver votre bien-être. Elle serait également bénéfique pour le système respiratoire, soulageant les problèmes liés à la gorge et aux poumons. Les lithothérapeutes précisent encore qu'elle améliorerait l'acuité visuelle et qu'elle soulagerait les douleurs musculaires. Elle serait aussi réputée pour soulager les maux de tête, les troubles du sommeil et les douleurs physiques liées au stress. En portant cette pierre céleste autour de notre cou, elle serait le compagnon parfait pour ceux qui recherchent l'harmonie intérieure, l'élévation spirituelle, je vais y arriver, et la sagesse céleste. Pas facile à dire. Alors, peut-être m'humidifier un petit peu. Voilà. En purifiant régulièrement votre célestite bleue, vous maintiendrez sa vibration élevée et profiterez pleinement de ses vertus bénéfiques. L'une des méthodes les plus simples et efficaces consiste à immerger votre célestite dans du sel pur. Remplissez un récipient avec du sel de mer ou du sel de gemme, puis placez délicatement votre pierre sur le dessus. Laissez-la reposer pendant quelques heures ou toute une nuit afin que le sel absorbe les énergies négatives accumulées. Une autre pratique couramment utilisée est la fumigation à l'aide de la sauge amérindienne sacrée. Allumez un bâton de sauge, laissez-le brûler brièvement, puis soufflez délicatement sur la flamme pour créer une fumée abondante. En tenant votre pierre célestite dans la fumée de sauge, visualisez les énergies négatives se dissiper et laisser place à une énergie pure et revitalisante. Enfin, vous pouvez compléter la purification de votre célestite en la plaçant sur un symbole sacré tel que la fleur de vie. Ce symbole géométrique sacré est réputé pour sa capacité à équilibrer et harmoniser les énergies. Placez votre pierre célestite sur une représentation de la fleur de vie et laissez-la reposer pendant un certain temps pour absorber les vibrations positives élevées de ce symbole sacré. Quant au cordon en ficelle de chanvre, vous pouvez l'ajuster en glissant la perle en bois qui se trouve à l'extrémité près des deux nœuds. En tirant l'autre perle en bois vers le haut, vous pouvez sortir votre pierre semi-précieuse de son filet et la remplacer par une autre. Son prix, 20 francs plus frais de livraison. Je peux bien la regarder parce que je ne l'ai pas bien vue. On la voit, vous la voyez en ce moment. Ah ouais, c'est magnifique. C'est de la célestite bleue. Voilà. Donc c'est des bracelets qui sont, enfin des tours de cou qui sont réglables, bien sûr. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de faire le troisième objet que je voulais vous parler ce soir ou s'il y a quelqu'un qui va arriver. Si on peut me prévenir, parce que je ne veux pas me lancer. Voyons voir. Ouais, c'est un petit peu plus court, il y a trois. Donc, c'est la régie. Est-ce qu'on peut me dire si je me lance dans le porte-clés de la chance Neko. Je ne le connais pas, c'est une nouveauté. Alors, est-ce que je me lance dans le Neko? Où j'attends l'appel qui devrait peut-être arriver. Pas de signe, alors peut-être qu'il y a quelqu'un au téléphone.
Là, je ne vais pas me lancer parce que je sens... Ouais, c'était sûr, je le sentais arriver. Donc voilà, j'avais bien raison, je n'avais pas de mouvement. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Mais comment allez-vous, mon cher Cédric? Bien, vous-même, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci, merci. J'ai l'âge que j'ai, plus un jour. D'accord. Ouais, mais 33 ans, ça va, je ne suis pas vieux encore. Non, bien sûr, vous avez toute la vie de mon goût. Si seulement, si seulement. Bon, alors... Alors, je vois que vous avez votre ami, que vous avez marqué, voilà. Oui. Alors, Cédric, que puis-je pour vous ce soir? Dites-moi tout, bien, quelle est la oui, première question? Oui, je téléphone pour mon amie Véronique, qui est née le 17 janvier 1965. Oui. Vous l'aviez eu au téléphone dimanche? Oui, il n'y a pas longtemps, effectivement. Il n'y a pas longtemps. Voilà, ben, je vais vous introduire, elle a des gros problèmes financiers. Depuis 6 ans, elle connaît des galères depuis 6 ans, puis elle est bloquée. Elle a déposé pas mal d'annonces pour un travail de dame de compagnie pour des personnes âgées. Oui, je me souviens. Et elle aimerait savoir si elle va trouver un travail en tant que dame de compagnie pour personnes âgées aisées, à raison de 3 à 4 heures par semaine. De combien 4 heures par semaine, vous dites? Oui, un après-midi par semaine pour simplifier. D'accord, ok. Alors, on avait vu ça dimanche. Bon, on peut recontrôler. Donnez-moi un chiffre pour Véronique entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, s'il vous plaît. 2, 3. Elle a déjà fait ça? Mais elle a déjà fait, elle a de l'expérience dedans. Elle a de l'expérience professionnelle pour plusieurs personnes. D'accord. Parce que ça dit qu'il y a quand même un petit peu d'attente. Hein. Alors, il y a l'argent, parce qu'effectivement, quand je dis l'argent, ça, c'est un peu normal que ça sorte comme ça, parce qu'en fait, quand elle trouvera, ben, ça va lui amener un petit peu d'argent. Ça va l'aider dans le souci qu'elle a. Donc, ça va l'aider. C'est pas la solution. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres choses à faire. Mais ça sera toujours un peu, comme on dit, un peu de beurre dans les épinards. Donc, ça va quand même aider. Et puis, ce que je vois, c'est surtout par la suite, à partir du moment où elle fera ça, il y aura peut-être d'autres choses qui vont sortir, qui devraient lui amener un peu plus d'argent. Puis il y a effectivement une carte de rencontre, on en a déjà eu parlé, elle est aussi là. Donc ce n'est pas seulement le travail, il y a aussi une rencontre qui financièrement devrait l'aider. Parce qu'effectivement, si on tombe sur quelqu'un qui a un peu d'argent puis qui peut aider, ben voilà, sans être forcément riche, eh ben, ça devrait aider. Maintenant, par rapport au travail, comme je disais, il y a peut-être quand même un petit peu d'attente. Alors, est-ce que c'est le... Ouais, je pense que ce n'est pas facile de trouver des gens comme ça. Puis, ce que je vois quand même... Moi, on a toujours vu qu'elle trouverait quelqu'un, mais ce qui est dur, effectivement, je pense que c'est... Quelqu'un qui voit, j'essaye de mettre à la place de quelqu'un qui voit l'annonce, qui dit ben, « ma maman aurait besoin de quelqu'un », alors elle peut appeler, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle un problème de confiance, en fait. Parce que quand vous voyez une annonce, on ne sait pas à qui on a affaire, on est d'accord? Non, bien sûr. Alors, je pense que c'est ça qui... Parce que votre amie, elle n'a pas de référence, ou bien on ne lui a jamais demandé. Non, elle a des références, elle a des certificats de travail. Mais le problème qu'elle a, c'est qu'elle offre très peu, elle n'a pas de formation. D'accord. Elle a réussi à trouver un travail de dame de compagnie. Elle a quand même réussi à trouver un travail comme de dame de compagnie. D'accord. Mais elle devrait trouver, hein. Mais c'est vrai que c'est... Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est des choses, des fois, qui peuvent peut-être retenir quelqu'un de la prendre. Mais elle va trouver quand même, dans ce plusieurs personnes que je vois qui devraient venir d'ici la fin de l'année, j'espère, il y a quand même une ou deux qui vont... Surtout une qui va la prendre. Et puis, comme j'ai toujours dit, grâce à cette personne, elle en trouvera une deuxième. Et ça va lui amener un petit peu plus, bien sûr, d'argent. C'est normal. Et puis, encore une fois, je reviens toujours à la même chose. Grâce à ces deux personnes, elle devrait rencontrer quelqu'un. Donc ça, c'est bien aussi, effectivement. Je pense que ça sera à travers ces deux travaux. Est-ce que, je dis comme ça, est-ce que c'est quelqu'un qui vient chez ces dames? Est-ce que c'est le petit-fils, le fils? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui devrait apparaître avec qui elle devrait pouvoir faire quelque chose. Quand je dis faire quelque chose, faire un bout de chemin avec quelqu'un. Et à partir de là, ben, le financier, ben,
Je ne dis pas que ça va être qu'elle va nager dans l'argent, mais ça devrait être beaucoup plus simple et plus facile, et puis sortir un petit peu de ces complications financières, effectivement. Voilà. D'autres choses, d'autres questions? Oui, bien sûr. Voilà. C'est là, elle se sent un peu en prison comme dans sa vie. Elle est coincée à tous les niveaux. Elle est renfermée chez elle et isolée. Et elle aimerait savoir si sa situation va se débloquer. Parce qu'elle elle galère suite à de mauvais choix dans sa vie. Elle a pris de mauvaises décisions, puis ça l'a conduit à cette situation. Mais quelle est, je vois ce que vous voulez dire, mais quelle est la question? Parce que par rapport à ça, vous voulez savoir quoi, en fait? Si sa situation va se débloquer. Mais si sa situation de galère va se terminer. Mais on vient de parler d'argent et de travail, on a vu oui, donc qu'est-ce que je ne comprends pas. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus, en fait, alors? Parce qu'on a vu, le fait qu'elle trouve ce travail, plus qu'elle rencontre quelqu'un, les choses vont se débloquer. Donc là, je pense que j'ai répondu, finalement. Hein, donc, d'accord, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, excusez-moi. Pas de souci. Donc, elle a retrouvé la trace d'un de ses anciens amants sur Internet, oui. Qui s'appelle Georges, qui est né le 19 mars 1947. D'accord. Dans la région lausannoise, qui est de profession médicale à un poste. Elle aimerait savoir s'il reviendrait vers elle, si elle prenait contact avec lui. Elle est très tentée. Mais vu qu'elle a une situation financière difficile, ça bloque cette personne. Ah, d'accord. Donc, ils ont eu contact et cette personne est bloquée, en fait, vous dites. Non, ils ne sont pas connectés à ses anciens amants. Puis, ils étaient en contact il y a des années en arrière. D'accord. Ah, ils ne se sont pas contactés dernièrement, en fait. Non, pas du tout. D'accord. Elle a retrouvé sa trace, son numéro de téléphone sur Internet. Ah, mais elle n'a pas essayé de le contacter? Non, pas du tout. D'accord, ok. Alors, si j'ai bien compris la question, savoir si elle le contactait, est-ce que cette personne pourrait revenir, en fait, c'est ça? Oui, malgré sa situation financière difficile. À qui? À elle? À elle, oui. D'accord. Parce que lui, il a une bonne situation, d'après ce que vous dites. Il a une très bonne situation, oui. D'accord. Ça a duré combien de temps entre eux, vous savez? 3-4 ans. 3-4 ans. Et pourquoi ça... Vous savez pourquoi ça s'est terminé? Vous savez ou pas? Oui, parce qu'elle s'investissait. Elle était tombée amoureuse de lui. Puis lui, il n'avait aucun sentiment pour elle. Elle est mariée, Georges. D'accord. Donc, c'était simplement un plan comme ça, on va dire, effectivement. Un plan comme ça, exactement. OK. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Ouais. Moi, je ne vois pas de retour. Malheureusement, je pense que ce monsieur a un blocage vis-à-vis de votre ami. Je pense qu'il a pris une décision dans sa tête. Et puis, quelque part, il ne veut plus de relation avec votre ami. Je suis désolé. Mais là, vous voyez, on ne peut pas toujours dire oui. Là, c'est plutôt négatif. Je pense que... Non, bien sûr. On ne peut pas tout avoir dans la vie, malheureusement. Hein. Malheureusement, je pense qu'il est pris dans quelque chose. Et puis, en fait, je ressens vraiment que ça a été bien pendant qu'ils étaient ensemble. Mais à partir du moment où ça... C'est lui qui a arrêté la relation? C'est lui qui a arrêté la relation, oui. Et en fait, c'est comme s'il a pris une décision, puis peut-être qu'il a vu des choses qui étaient trop compliquées. Il s'est dit, oh là là, je ne veux pas me mettre dans cette histoire. Et puis, en fin de compte, moi, je vois... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre contact, boire un café, comme ça, mais je ne vois pas un recommencement de relation, malheureusement. D'accord. Et voilà. Et puis, ça concerne toujours Georges, oui. Cette personne. Ce serait au niveau des énergies, s'il aurait des problèmes de santé. D'accord. Parce que vous le savez ou vous dites comme ça? Comme ça, oui. Parce qu'elle a vu une photo puis il avait l'air. Ah. Il avait l'air un peu diminué. Bon, après, il a 73 ans ou non? 76, je sais pas. 76 ans. 76 ans, pardon, ouais, j'ai mal compté. Ouais. Est-ce qu'il aurait des. Un chiffre entre 1 et 6? 3 toujours. 3 toujours. Alors, le 3. Mettre la clim, il fait chaud tout d'un coup sur le plateau. Le 3. Oui, il a des soucis, effectivement. Donc c'est aussi peut-être pour ça, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui... Voilà, alors, sincèrement, je le sens et je le vois d'après les cartes comme diminué, comme...
Quand je dis diminuer, attention, il n'est pas dans une chaise roulante, ce n'est pas dans ce style-là, mais je pense qu'il a des soucis de santé, effectivement, qui font que... Voilà, c'est aussi peut-être aussi pour ça, c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas qu'elle le prenne trop mal, Véronique, parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a malheureusement plus la tête à des choses comme ça, vous voyez. Alors, ça ne veut pas dire que l'idée, on ne peut pas l'avoir, mais il n'a plus la force, le physique, pour assumer quoi que ce soit, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je pense que, malheureusement, c'est aussi pour ça que je pense qu'il n'y a pas de retour. Après, c'est peut-être pas quelqu'un de méchant qui peut peut-être lui contacter. Et puis, c'est ce que je ressens, parce que des fois, on est tenté, parce que peut-être votre ami pourrait dire, mais on s'est connu, peut-être qu'il pourrait m'aider financièrement, je ne pense pas. Donc ça, il faut éviter. En tout cas, alors si lui... Il dirait, écoute, Véronique, tu veux quelque chose, et puis qu'il le fait de son propre chef, ok. Mais si elle lui demande, il va refuser catégoriquement. Donc ça ne sert à rien de demander. Alors elle peut très bien dire, oh, je suis un petit peu dans la mouise, tout ça. Mais pas qu'elle dise, est-ce que tu pourrais m'aider? Il faut que, faut que ça vienne de lui. Mais voilà, mais malheureusement, alors je pense qu'effectivement, il a des soucis de santé. Plus ou moins sérieux, c'est difficile de dire quoi. Il est encore là, mais je pense qu'il a une diminution physique et certainement morale, parce que quand on n'est pas bien, qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Moi, je sentais qu'il était assez sportif ou qu'il faisait plein de choses auparavant, c'est vrai. Oui, bien sûr, il était très sportif. Oui, je ne le savais pas. Puis maintenant, vous voyez, il ne peut plus... Alors, je ne dis pas qu'il reste dans son fauteuil, il bouge peut-être un peu, mais il ne peut pas comme avant. Il a peut-être des soucis qui font que... Il a dû stopper certaines choses et finalement, ça lui est tombé dessus sur le moral. Donc voilà, oui, vous ne m'avez pas dit, mais j'ai senti que c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui était très actif. Et tout d'un coup, c'est vrai que quand on est quelqu'un de très actif puis qu'on se trouve diminué, eh ben, ça nous tombe sur le moral. On se dit, oh là là, je ne peux plus rien faire, je ne sers plus à rien. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas très bien. Si elle veut le contacter, elle pourrait le contacter, mais je pense que ça restera platonique et à distance. Ils se verront. Je parlais d'un café, je ne suis même pas sûr qu'ils se voient. OK, autre chose encore, une dernière question, on a encore juste le temps d'une. D'accord, ben, c'est pour une voie amoureux. Est-ce que Véronique va rencontrer un homme libre et à l'aise financièrement qui ne vient pas de Neuchâtel? Ça vit de la région de Neuchâtel. Qui ne vient pas de Neuchâtel, vous avez dit? Oui, exactement, oui. Il faudrait qu'il vienne d'ailleurs. Oui, il vient d'ailleurs, oui. De la région lémanique, par exemple. Alors ça, c'est compliqué comme question, mais on va essayer. Alors, est-ce qu'elle pourrait rencontrer quelqu'un? C'est ce qu'elle se veut, hein. Ouais, ouais. Il ne faut pas qu'il soit comme ci, il ne faut pas qu'il vienne de là. Pourquoi elle n'aime pas les Neuchâtelois? Elle a des exigences. Voilà. Pourquoi elle n'aime pas les Neuchâtelois? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont gentils, les Neuchâtelois. Ils sont gentils, les Neuchâtelois. C'est pas, ça, c'est pas une question qu'on passe après. Mais elle aime les hommes de pouvoir. Mais la majorité des hommes de pouvoir qu'elle rencontre sur Neuchâtel sont ça. Mais ça veut pas dire. Bon, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Alors, je vous réponds encore ça, puis effectivement, après, il faudra qu'on se quitte, parce qu'on est déjà 51-52. Voilà. D'accord. Il y a une rencontre qui est là. Et puis, effectivement, moi, alors, je maintiens que c'est par rapport à un travail et à la santé. Donc, moi, je pense qu'elle va rencontrer quelqu'un par rapport aux gens qu'elle garde. Alors, après. Les cartes, sincèrement, ne me disent pas s'il vient de Neuchâtel, de Fribourg, de Sion. Ça, je ne peux pas dire. Hein, mais bien sûr. Ça, je ne peux pas dire, malheureusement. On ne peut pas tout voir. Mais on voit une rencontre sérieuse avec quelqu'un un petit peu plus âgé aussi. Mais alors, c'est pas le monsieur qu'on a parlé avant, mais on voit quelqu'un. D'accord. OK, je suis obligé de vous laisser. On m'annonce dans 2-3 minutes. Donc, je suis obligé de décourter. Merci beaucoup, Cédric, d'être passé. Merci, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Pour au revoir. Merci. Très bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0900-901-993. C'est fini. Terminé pour ce soir. On va s'arrêter là pour les questions. Je ne sais plus quand je reviens. La semaine prochaine, je crois. Mais voilà, je n'ai pas mon planning sur moi. Ce n'est pas grave. Regardez tous les soirs. Vous pouvez aller voir sur Facebook. Vous pouvez aller voir sur notre site internet aussi les objets, la boutique dont on a parlé il y a quelques instants, les belles nouveautés qu'on a. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez aussi vous inscrire pour des prochaines émissions, pour passer comme Cédric vient de le faire ou d'autres, hein, donc, ou d'autres personnes. Donc, inscrivez-vous à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, Casse Postale. Je ne sais pas si c'était un concours, d'ailleurs, j'ai dit comme ça, mais les autres personnes qui ont dit, Mario, par exemple. Donc, vous écrivez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, Casse Postale, 285 1024 Écublanc. Mettez donc votre prénom et
votre et un numéro de téléphone. Voilà, on va se quitter assez rapidement. Je vous remercie de cette belle soirée. Merci aux intervenants, merci la régie, merci le téléphoniste. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de nuit, une très belle fin de soirée. Faites de beaux rêves et dormez bien. À la prochaine, on se quitte. À bientôt, au revoir.